Do you know where secrets go? 'Cause I've forgotten mine. They've slipped out of my control, and you know where they hide. Your love's a little heavy, you're touching me already, and it's working up my nerves. You should probably forget me, 'cause I'm terrified you'll get me when I'm at my worst. It's not too late to let you know that you're in love with a ghost. So run! Pack up your bags and run. Once you see the truck, you'll be over it. Run. And when it's all said and done, run. You just gotta run. I could whisper sweeter things, and back to me you'd crawl. Puppeteer your love for strings, but it's not love at all. My ego's still provided, I'm not the one who's driving, but I can't find the brakes. Yeah, girl, there's no denying that even though I'm trying, I'm your next mistake. I'm falling deep, you should take me at my word. It's not too late to let you know that you're in love with a ghost. So run! Up your bags and run. Once you see the truth, you'll be over it. Run. And when it's all said and done, run. You know you gotta, you know you gotta, you know you gotta run. Looking like Sky Bree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately. Want me to put her in Cartier's, and the deserve it. Put in work for the money she earn it. Give me top every night lip service. Now I gotta block these, she worth it. I'm out of Abu Dhabi with a bad book like Sky Bree, ooh. Right beside me, with a phantom off that body, yeah, yeah. Abu Dhabi with a bad book like Sky Bree, ooh. Right beside me, with a phantom off that body, yeah, yeah. Abu Dhabi with a bad book like Sky Bree, ooh. Right beside me, in the phantom off that body, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Sky Bree, ooh. Right beside me, in the phantom off that body, yeah, yeah. Shorty a dancer, with her OnlyFans, got her bands up. She independent, got a Lamb truck, don't need no man, but I'll man up for that, ooh. Put it on camera, she a freak, nothing I can't handle. When I'm pulling up in that phantom, I got a boot redder than Niagara, ooh. To my dog, I'm with the leash. Ain't no one holding me back, I'm a beast. Showing them off, all of my teeth. None of them with me in these streets. Ooh, Sky Bree hit me in my DMs. I've been trying to meet up and see ya. I can fly you out to Abu Dhabi with a bad bitch look like Sky Bree. Ooh, right beside me in the phantom off that b***h, yeah, yeah. Abu Dhabi with a bad bitch look like Sky Bree. Ooh, right beside me in the phantom off that b***h, yeah, yeah. Abu Dhabi with a bad bitch look like Sky Bree, ooh. Right beside me, in the phantom off that body, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Sky Bree, ooh. Right beside me, in the phantom off that body, yeah, yeah. Salut, salut tout le monde. Eh ben, bienvenue
Ah, je suis très content de faire ce live ce soir, parce qu'on va parler d'un sujet que je connais pas si bien. Et du coup, j'ai amené pile poil des experts pour ça. bonjour à tous, bonjour Arthur Spelady, bonjour Arthur Galland, bonjour Chloé Plumet, bonjour Simon Gonan. Salut. Salut. Bonjour. Salut. Bon, on a eu des petits soucis. On n'a pas, hélas, la vidéo de Chloé et de Simon, mais ils sont bien là. Ils sont bien là. On est là, on est là. Ouais, c'est cool. Bon, très content de vous avoir parce que c'est un sujet que j'affectionne énormément, évidemment. Je m'intéresse énormément à toute cette partie-là, même si, évidemment, ce n'est pas exactement mon métier à moi spécifiquement. Et c'est justement ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça que toutes les questions vont être très intéressantes. Le chat, n'hésitez pas à poser des questions. Ils seront là. Je les donnerai s'ils ne les voient pas. Mais sinon, vous pouvez aussi voir le chat, hein, les gars et les filles. N'hésitez pas. Hein, vous allez sur Twitch si vous pouvez. Mais sinon, je vous donnerai les questions quand il y en a. Alors, ce soir, on va essayer de voir un petit peu ce que vous avez fait du coup. Parce que vous avez fait un jeu qui est maintenant qui a fait sa petite réputation en tout cas, A Day with Moshi. Et on veut savoir un petit peu comment vous en êtes arrivé là. Et puis on va aussi essayer de voir un peu ce que vous voulez faire après. Parce que c'est enfin ce que vous faites maintenant et ce que vous allez faire après. Donc pour commencer, honneur aux dames, Chloé, est-ce que tu peux te présenter? Salut, moi c'est Chloé Plumet. Je suis environnement artiste, DigixArt en ce moment. Et moi sur le projet, j'étais principalement environnement artiste, mais je touchais un peu à tout sur le projet. Donc D'accord. voilà. Ok. On va essayer de détailler un tout petit peu. Après, on détaillera un tout petit peu ce que c'est qu'un environnement artiste pour que on comprenne bien ce que ça veut dire. Mais ok, pour l'instant, c'est cool. Merci. Et Simon, du coup? Donc moi, je suis en ce moment, je suis gameplay programmeur à DigixArt. Je m'appelle Ok. Simon Gonan. Je vais Ok. commencer par les bonnes choses. Donc gameplay programmeur à DigixArt en ce moment, et sur Moshi, j'étais gameplay programmeur, mais j'étais en charge de tout l'aspect technique du projet aussi. Ok, ça marche. Eh ben, Arthur, à toi l'honneur, je ne dirai pas lequel. Salut, du coup, moi c'est Arthur Spellani, un des deux Arthur du projet. Je suis game designer éditorial chez Focus et sur le projet j'étais game designer system design. Ok, très bien. Et moi je suis le deuxième Arthur du projet. Donc là actuellement je suis level designer chez Quantic Dream et sur le projet j'étais lead level designer donc ça change pas trop. Ok, super, impeccable. Alors, juste pour recommencer au tout début, en fait, au tout début, juste vraiment avant même le projet, je dirais même presque avant l'école, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui vous a inspiré, en gros, qu'est-ce que vous avez voulu faire? Vous êtes dit, bon, j'ai envie de faire du jeu vidéo, je vais tout de suite aller voir une école, ou voilà. Donc, j'aimerais un peu que vous me racontiez juste un tout petit bout de parcours de juste avant Rubika. Pourquoi c'est Rubika que vous avez choisi et pourquoi cette école-là pour faire du jeu vidéo, par exemple. Comme vous voulez, vous pouvez prendre la parole. En vrai, je peux commencer. Vas-y. J'ouvre le bal. Allez. Je suis sorti directement de lycée pour aller à Rubika. Et de base, je voulais pas du tout faire ce que je fais maintenant. Je voulais faire de Ouais. la narration dans le jeu vidéo. Il y a des jeux qui m'ont beaucoup marqué dans ma jeunesse et qui m'ont marqué par tout ce qu'ils proposaient. Typiquement Metroid Fusion. Ouais. On en reparlera si on parle de mes jeux favoris. Ouais. C'est un jeu qui m'a dit, qui m'a fait comprendre que c'est ce que je voulais proposer. Et mon but quand je suis rentré à Rubika, c'était à la fin de pouvoir proposer des expériences qui marquent les gens comme Metroid Fusion m'a marqué moi. Ouais, Et c'était ok. un peu mon objectif quand je suis sorti de l'école. Ok. Je comprends. Et dans la même case, on a l'autre Arthur, du coup. Peut-être que tu as une expérience à nous partager par rapport à ça. Ouais, j'ai un parcours un peu particulier parce que c'est une reconversion professionnelle. Passage dans le jeu vidéo. Ok. Avant ça, je travaillais dans le spectacle vivant, donc rien à voir. Puis j'ai eu envie de transmettre un peu ma passion, parce que ça fait très longtemps que je suis passionné de jeux vidéo, de jeux de rôle et tout ce qui gravite un peu autour. Ouais. J'en suis venu à me reformer pour faire de ma passion mon métier. Ok. Et du coup, Chloé, peut-être? Moi, jusqu'en terminale, parce que du coup je suis arrivée à Rubika direct après le bac. Jusqu'en terminale, je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. Je savais que je voulais vraiment aller dans un métier artistique.
Et je l'ai découvert que très tard qu'en fait, on pouvait travailler dans le jeu vidéo. Et moi, depuis que je suis toute petite, je joue aux jeux vidéo, surtout avec mon frère. Et après, bah, j'ai découvert un peu les jeux narratifs et j'ai vraiment adoré ça. Et du coup, bah, un peu comme Arthur, bah, je voulais vraiment rallier mes deux passions, qui étaient le jeu vidéo et l'art. Ok, Voilà. donc évidemment, tu jouais aussi avant, quoi, j'imagine. Ouais, j'ai beaucoup joué, bah, surtout au lycée, où du coup j'ai eu ma première console à moi et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué. Peut-être perdu un peu trop de temps dessus. Ben, c'est vrai que le coup du jeu vidéo préféré, c'est assez marrant comme question. Est-ce qu'on va revenir sur vous autres, Arthur, mais du coup, c'est quoi ton jeu, enfin, aujourd'hui peut-être, jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi ton jeu préféré? Alors moi, mon jeu favori de tous les temps, c'est The Last of Us. Ah. C'est le jeu qui m'a vraiment fait aimer le jeu vidéo, Ok. parce que c'est le premier jeu qui m'a vraiment fait ressentir des émotions très fortes. Et c'est là où en fait je me suis rendu compte de la puissance du jeu vidéo. Narrativement. Et ce qui m'a... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment ce qui m'a donné envie et motivé d'aller dans le jeu Et vidéo. du coup, t'as aimé la série ou pas? J'ai pas regardé la série. Oh. Justement parce que la série est sortie pendant un peu la fin de production de Moshi, j'ai pas pris le temps de vraiment la Ouais. regarder. Oh, tu vas aimer, hein. Si tu as aimé le jeu, je pense que tu vas aimer. Je pense que les gens sont assez OK là-dessus. Oh, après, tout le monde a son avis, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Et Simon, du coup? Mon jeu vidéo favori ou mon parcours? ouais, déjà ton parcours. Moi, du coup, j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai rejoint l'école en quatrième année. J'ai commencé mes études ailleurs. Donc moi, j'ai commencé à faire de l'informatique. Et au fur et à mesure de faire l'informatique, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui m'amusait le plus, c'était de fabriquer des petits jeux, des petits trucs où je pouvais m'amuser. Donc au début, ça commence à faire des vrais ou faux ou des morpions. Et puis après, on se dit, mais pourquoi pas aller plus loin? Et après, du coup, c'est là où j'ai commencé à me renseigner, à me dire quelles écoles je pourrais faire et tout. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Rubika. D'accord, Voilà. ça sent la bidouille, quoi, sent le bidouilleur déjà. Ça sent, Ouais, c'est ça, j'aimais bien ça. tu vois, ça sent voilà, la personne qui s'intéresse un petit peu techniquement, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Je m'intéressais déjà à l'époque, quand je jouais à des jeux, à comprendre, d'essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Dès que j'ai commencé mes études d'informatique, je me suis dit, mais comment, moi, quand je galère à faire afficher un texte sur mon écran, comment eux, ils font des mondes ouverts Ouais, c'est ça. gigantesques, Comment tu quoi. passes de ça à ça? Et ton meilleur jeu alors? Bah, moi, du coup, pareil, le jeu plutôt récent, c'est The Legend of Zelda Breath of the Wild. D'accord. Bah, typiquement, c'est le jeu Récent. qui m'a fait replonger, en fait. Moi, pareil, un peu comme tout le monde, je joue depuis que je suis tout petit, et c'est un jeu qui m'a fait replonger dans mes premiers sentiments de liberté quand j'étais jeune. Et du coup, à ce moment-là, et cet aspect technique, ce côté, il y a l'air d'avoir un gros défi, un gros challenge derrière le jeu. Et Ouais. c'est un peu ça qui m'a guidé mais c'est vers là que je veux aller, en Ok, non mais je comprends. Je comprends. fait. C'est un très très bon jeu aussi. Du coup, les Arthurs là, excusez-moi, je vais pas vous appeler les Arthurs, désolé. Donc, du coup, Arthur Spelani, du coup, c'est quoi ton jeu préféré? Moi, mon jeu préféré, je pense que c'est Fallout New Vegas, Ah, c'est qui est parfait. un jeu de rôle, qui est la suite de Fallout 3, parce que c'est un jeu qui, quand même, permet pas mal de liberté en tant que Mais joueur. c'est pas Fallout 4, c'est différent de Fallout 4. C'est pas Fallout 4, ouais, D'accord, c'est entre d'accord. les deux. Ok. C'est fait par Obsidian, qui sont des anciens de BioWare, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et ouais, c'est un jeu que j'ai fait énormément de fois. Je l'ai fini les manières un peu possibles, parce que du coup, ouais, Ok. c'est vraiment, il permet une liberté assez cool, surtout à l'époque, quoi. Ouais, ok. Et du coup, Arthur, Gala. Moi, bah, je l'ai déjà dit, Ah bah Metroid oui, Fusion, Metroid jeu sur Fusion. Game Boy Advance, donc Oh la une vache. vieille console, une de mes premières consoles quand j'étais jeune. C'est un jeu qui m'a marqué parce qu'avec 3 pixels, ça arrive à faire passer des émotions assez fortes. Ça reprend la formule des Metroid classiques, donc à Ouais. savoir un monde qui est assez labyrinthique, et en fait on va trouver des améliorations un peu à droite à gauche pour avancer dedans, et ça la transforme un peu pour être un peu plus linéaire et un peu plus narratif. On va rencontrer un gros ennemi qui va nous suivre pendant tout le jeu, et c'est mes premiers moments où j'ai eu peur en jouant à un jeu vidéo alors que c'était 3 pixels. Mais c'est Voilà, ça, c'est et bien. c'est pour ça que ce jeu il m'a beaucoup marqué, et tous les ans je le reprends et je refais une ou deux heures de jeu en entier
Ah, ok. Sur okay. Le Game Boy. Non, mais on a cette petite de Madeleine. Moi, Madeleine, parce qu'il n'y a pas de raison, hein. Moi aussi, hein, j'ai des Madeleines. Moi, Madeleine de Proust, moi, c'est Ico. Ico, c'est vraiment un jeu que j'ai adoré, bien sûr, et c'est un jeu que j'ai fait découvrir à ma fille. Parce que je trouve que c'est un jeu où tu combats pas, ou quasiment pas, et tu guides quelqu'un jusqu'à la sortie. Et c'est vraiment le concept que j'ai adoré. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai adoré Shadow of the Colossus pour d'autres raisons, mais parce que le studio avait réussi quand même à montrer un truc incroyable. Quoi. Donc voilà, ok. Donc ça, c'est, on va dire, le parcours on va dire, au départ. Donc on va dire qu'une fois que vous êtes arrivés ici, vous allez donc tous vers Rubika. À Rubika, il y a plusieurs sections, notamment dans la partie game. Au départ, je crois que vous faites la même chose et au fur et à mesure, vous vous séparez. Comment ça se passe? Je vais expliquer. Vas-y, pareil. Vas-y. Du coup, Rubika, c'est en 5 ans, donc c'est un master. Nous, on était une promo un peu particulière parce que notre première année, on l'a fait dans des classes qu'on appelait mixtes, donc avec aussi des animations, enfin des gens de la filière animation. Ouais. Et de la filière design, donc ouais. Pure design, donc design okay. Produit et design véhicule. Quelle année? Ça, c'est terminé maintenant, en première année. La oui. Toute première année de... Mais Rubika. Quelle année en chiffres? En 2019, 2018-2019, ouais, c'est d'accord. Ça. D'accord, ok, ça marche. Du coup, on a fait quelque chose de mixte, et maintenant, c'est terminé, ça marche plus comme ça. Et après, on a fait 2 ans, donc game designer et game art. Ouais. Donc, c'est les deux filières qu'on a. Et ensuite, en 4e année... Il y a les Game Pro qui sont venus, donc là c'est là où Simon est arrivé. Et après on a fini notre dernière année, donc 4e et 5e année, avec Game Prog, Game Art et Game Design. Ok, mais du coup, est-ce que ça veut dire que par exemple pour les Game Prog, vous avez une section aussi en 5 ans? Alors non, du coup, c'est pour ça que moi j'ai pu arriver plus tard. C'est, oui, c'est que ça. La Game Prog, alors moi ça, quand je suis arrivé, donc en 2021, si je ne dis pas de bêtises. Quand je suis arrivé, du coup, c'était entré en 4e année. Là, ça a changé. Maintenant, c'est entré en 3e année. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Mais voilà. Mais du coup, ce qu'ils font, c'est que les gens, s'ils veulent rentrer dans la première année, ils commencent par prendre des bases donc, sur du game design. Ils rentrent en GD la plupart du temps. Ils peuvent rentrer en game art aussi, si vous savez. Et si à partir de la 3e année, ça les intéresse et qu'ils sont, ils sont un petit peu intéressés au sujet, ils peuvent basculer en fait sur cette filière programmation. Et en même temps, l'école vient récupérer des gens qui ont fait des études d'informatique à okay. côté, etc. D'où la programmation qui arrive plus tard, ce qui est assez logique. Ok, d'accord. Donc ça, c'est, on va dire, la filière normale. En fait, à quel moment vous commencez à... Parce que je sais qu'il y a plusieurs projets dans les 5 années. Et à un moment donné, il y a A Day with Moshi. Et à quel moment ça commence ça? Ça commence pas en 5e année? Non, ça commence à la toute fin de la 4e année. C'est ça. En fait, sur le 2e semestre de la 4e année, il y a un espèce d'appel à projet où tout le monde peut du coup proposer un concept de jeu. Tous les game designers sont obligés de le faire. Les artistes et les programmeurs peuvent le faire, mais ils ne sont pas obligés. Et donc, on a une quarantaine, cinquantaine de projets qui sont lancés. Donc, vraiment des petits pitchs hyper rapides qui tiennent sur une présentation. Et après, il y a tout un processus de sélection. On retravaille un petit peu les concepts entre chaque phase de sélection. Et on arrive au final avec 6 ou 7 projets, ça dépend des années. Nous, c'était 6 cette année. Okay. Ouais, cette année, ils en ont 8, je crois. Ouais. Ou 6. Et du coup, ouais, on profite d'un peu d'une pré-production avec des gros guillemets déjà en 4e année à la sélection des projets. Ok. Et donc là, oui, j'imagine qu'une fois que les projets sont choisis. Donc là, après, on forme les groupes. Ils ne sont pas formés avant. Enfin, dis-moi si je me trompe. Ils forment les groupes. Ouais, c'est ça. Pendant les petites phases de réaffinage des concepts, il y a des quatuors qui sont formés pour pouvoir retravailler, mais ce n'est pas des quatuors qui sont fixes. Tout part à la base d'un porteur de projet, qui est la personne qui a émis le concept. Une fois que les projets sont sélectionnés, ouais, on se réunit tous les porteurs de projet, porteurs de vision, ouais. Pour former des groupes et on essaye de se débrouiller pour que les compétences qui sont demandées pour les projets spécifiques soient comblées par les personnes qui souhaitent bosser après dans cette filière. Nous, typiquement, on avait des gros besoins en animation parce que un chat, du coup, c'est un petit peu complexe à animer. Évidemment. On a
J'ai du coup récupéré un animateur qui a bossé à temps plein sur les animations du jeu. Et du coup, chaque projet a un petit peu ses spécificités comme ça qu'on essaye de combler du coup avec les bonnes personnes. Ok, donc du coup, vous allez effectivement, selon les besoins de chacun des projets, techniquement... Ouais, selon les besoins, prendre et aussi gens... selon les préférences de chacun. Les chacun vote un petit peu pour le projet qu'il préfère, sur lequel il préfère bosser. On essaye aussi de prendre ça en compte dans les formations des équipes. Ok. Tout est assez clair. Du coup, en fait, c'est qui le porteur de projet chez vous, du coup ? À la base, c'est moi, le porteur de vision. C'est moi qui ai posé le concept initial. Mais on en reparlera peut-être un petit peu plus tard pendant la production. Pendant la cinquième année, c'était plus moi le porteur de vision. On a refilé la vision à un autre game designer dans le projet qui s'appelle Luc, qui a fait ce rôle de porteur de vision pendant toute la production. Ouais. Mais à la base, l'idée du concept, ouais, elle vient de moi. Ok, ok. Alors justement, ça m'amène à la question suivante, c'est vous étiez combien en tout ? Pour répondre, parce qu'à un moment, il va falloir laisser Loïc Simon parler aussi, on était 11. 11, et dans l'équipe, on avait deux game designers, un game programmeur, deux level designers, un animateur et quatre environnements artistes qui touchaient un peu à tout. Comme Chloé, donc environnement artiste, aussi props artiste, donc qui faisait des objets dans le jeu. Et on avait une créature artiste qui s'occupait de faire tous les chats du jeu. Ok, c'est rigolo comme tous les chats du jeu. Est-ce qu'on peut monter le son général Attends, je regarde. Mais je crois que je suis un peu à bloc, mon ami. Non. Non, désolé. J'ai pas plus de son pour toi. Attends, je regarde juste. Est-ce que je suis au taquet? Ouais, je suis au taquet. Je peux pas faire plus. Sans tout dérégler. Donc, écoute, j'y penserai pour le prochain live. S'il y a besoin que je monte le son, je monterai un peu plus. Ok. Donc, on reparle là-dessus. Et du coup, Chloé et Simon, par rapport au départ de l'aventure, c'est-à-dire pour vous, c'est pareil, ça va être fin de quatrième, surtout début de cinquième, si je dis pas de bêtises, si je comprends bien. C'était quoi vos tâches respectives, du coup ? Moi, en fait, du coup, j'ai commencé plus tôt. J'étais dans l'équipe de 4 avec un source Pelani. Okay. Du coup, en fait, sur cette phase-là, on était... vraiment sur de la pré-production, des concepts très rough, de la vision qu'on avait du jeu et ce qu'on voulait transmettre. Et après, avec la formation du groupe au complet, là, on a dû un peu plus split les rôles. Moi, je savais que je voulais être dans l'environnement, mais ça ne me dérangeait pas de toucher un peu à plein de trucs parce que je voulais apprendre aussi plein de trucs. Et niveau des rôles, moi, j'étais la lead artiste. Du coup, je m'occupais surtout de l'organisation du pôle art. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que je peux peut-être me passer sur la scène avec Pure Rêve. Peut-être ça va être intéressant d'en parler, non ? Ouais, avec les vieux, vieux concepts. Ouais, on peut parler peut-être des concepts de base déjà. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de zoomer là. Après là, je pense que la plupart des concepts, c'était quand on était du coup déjà la team au complet. Ouais, parce que du coup, en fait, les concepts qu'on avait quand on était en groupe de 4, comme le concept a beaucoup changé, oui. C'était pas du tout sur une île paradisiaque. D'accord. C'était vraiment genre... dans une ville de la côte ouest des États-Unis, un peu à la San Francisco. Du coup, en fait, là-dessus, ça a beaucoup changé. Ouais, mais ouais, ça, c'est des concepts, du coup, qu'on a fait en fin de quatrième année et aussi début de cinquième année. Ouais. On peut voir Moshi qui était de base un chat calico, qui est devenu une chatte siamoise. Ah oui. Ouais, ça doit être marrant de revoir les concepts à ce niveau-là. Parce que, ça fait bizarre, oui. Bah oui, parce que forcément, ça a tellement évolué. Hein. C'est un projet, en même temps, c'est le but des projets, hein, c'est que ça évolue. Mais c'est vrai que tu ne le regardes pas tous les matins, quoi. Ouais.
Donc c'est rigolo. Et effectivement, ça évolue. Donc là, tu parlais d'une cité, mais au départ, vous aviez quand même aussi des concepts de Sanfélicité, c'était. Donc Exactement. du coup, ça c'était du blocking de ville et quelques concepts déjà. Ça c'est peut-être déjà des images de jeu, j'ai l'impression. Ouais, ça arrive. Non, Du du coup, ça coup. arrive bien plus tard. Ouais, ça arrive plus tard. Hein. Ouais, On n'est d'accord. plus dans la pré-pré-prod. Là, on est Mmh, vraiment dans. On est c'est du mid-prod. drama ça. C'est du drama, ouais. C'est Non, du drama une ça. pré-prod. C'est le premier Ouais, tiers c'était en du gros. coup. Ouais. C'était la fin de pré-production où en fait on devait produire un petit diorama de comment aller rendre le jeu visuellement ce qu'on voulait faire au final. Ouais, logique. Et bah, après tout le reste de la ville c'était vraiment des carrés gris, mais du coup ça c'était le petit coin pour donner l'intention qu'on avait en rendu. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de parler de ce fameux chat, Moshi, parce que le concept, il est sympa, mais bon, moi, je suis dans l'animation, enfin, dans le secteur de l'animation, et je sais à quel point c'est difficile, les animaux, que ce soit en animation, que ce soit même en poils, enfin, quand tu fais des poils, ce genre de choses, en texture, en déplacement, etc. Comment vous avez appréhendé cette histoire-là? Parce que c'est pas du tout ce genre de truc qu'on donne à des étudiants en règle générale. En règle générale, même, enfin, en cinquième année, oui, mais c'est d'une difficulté toujours extrêmement, enfin, c'est toujours extrêmement difficile. Donc j'aimerais bien savoir comment vous avez appréhendé cette difficulté-là, quoi. Je Alors, sais pas si Arthur est en train de parler. non, on Non. voulait te laisser parler, vas-y. Ah. Bah du coup, quand on a formé des groupes, quand on était que à quatre, quand on a commencé à recruter un peu, entre guillemets recruter, les Oui. gens, on s'est directement tourné vers le seul animateur de la promotion, Ouais. Yanis. Qui était bah, extrêmement fort dans ce qu'il faisait, hein, on va pas se le cacher. et en fait, bah, comme on savait qu'on allait avoir besoin de beaucoup d'animation, on a essayé vraiment de prioriser surtout Yanis. Et bah, du coup, en plus, ça l'intéressait aussi d'animer des animaux. Après, je ne pourrais pas ex exactement expliquer comment il a fait son process, parce que Oui, non, non, mais moi, je ne suis pas dans l'animation, non, mais... évidemment, mais disons que c'est enfin. La conception d'un animal, que ce soit en 3D, plus le setup pour l'animer, plus les poils lorsqu'il y en a, là vous en avez un petit peu dans la texture, plus tout ça, c'est en général un paquet de difficultés que tu commences souvent à se demander, bon, comment on va le faire assez rapidement pour être sûr de pouvoir le faire à la fin, quoi. Donc, Alors, du coup, pour ouais. rajouter sur ce que Chloé elle a dit, Vas-y, vas-y. en vrai, quand on a construit les groupes, donc à la période où on a un peu recruté tout le monde, on avait aussi confiance dans notre core team. Donc, on a une personne attitrée aussi pour les chara-design des chats et la Ouais. modélisation des chats. OK. Donc, on avait une personne vraiment que sur ça. On la remercie d'avoir galéré pendant 3 mois à faire des points, parce que c'était vraiment un des gros problèmes qu'on Ben avait oui. sur le jeu pendant toute le début de prod. Où en fait, les poils, c'était extrêmement complexe à faire. Donc, elle a passé toute l'année dessus. Et du coup, on avait confiance au duo caractéristique animateur. Ouais. Et on savait qu'on avait le reste de production avec les autres artistes pour ce qui est du niveau et tout ce qui est objet et décor. En fait, voilà, c'était Ok. globalement qui se complète et qu'on ait assez de personnes sur chaque tâche, en fait. Ouais, ok. Il y a, enfin, je vois des concepts qui me font beaucoup rire parce qu'ils sont, enfin, ils sont trop sympas, quoi. Tu vois, le chien, je sais pas s'il existe dans le jeu aujourd'hui. Enfin, je sais plus s'il a, il a pas viré, Ouais. Vas-y, Simon, si tu veux, On vas-y, l'a enchaîne. malheureusement perdu en route, Ah, il est mais trop bien. on lui a gardé un petit secret dans le jeu parce qu'on pense à lui, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, Mais. non, il y a des super concepts. Hein. Clairement, ça m'a fait, quand j'ai vu les images, j'ai fait, ah ouais, il y a quand même des choses vachement intéressantes. Alors, vous avez un concept dans le jeu aussi. Alors, je saute un peu du coq à l'âne aussi, parce que bon, il y a pas mal de choses à voir, mais système de Polaroid. Alors, là, je vois, donc, il y a quelques Polaroids, ça, c'était de l'ordre du concept.
Et puis j'ai vu que vous aviez les Polaroids qui sont plus voilà, finaux ici. Donc ça c'est plus de l'ordre de ce que tu me disais, c'était plus de l'ordre de l'achievement du jeu en fait. Ouais, ouais, au-delà de l'achievement, c'est vraiment les objectifs de jeu. Ouais, les objectifs, exact. On a un style de jeu, un genre qui est un peu particulier parce que c'est un jeu sandbox, un jeu bac à sable, ouais. Dans lequel il n'y a pas vraiment d'objectifs obligatoires en fait. Pas vraiment de conditions de défaite non plus. On voulait vraiment une expérience un peu chill, sans vraiment de conditions de défaite, sans vraiment imposer des trucs aux joueurs. Et du coup, on a ce système d'objectifs qui passe par des Polaroids. Le but du jeu, même si pas vraiment, c'est du coup d'aller faire des bêtises un petit peu partout en tant que chat sur une île. Et du coup, à chaque fois qu'on fait une bêtise, un petit méfait, il y a une photo qui est prise au moment de la bêtise, et cette photo du coup est retranscrite sur le Polaroid et vient se stocker dans un album photo. Ouais, ouais, okay. On a une grosse trentaine de petits objectifs comme ça, un petit peu partout, qui sont plus ou moins complexes à faire, et qui sont répartis un petit peu partout sur une île. Ok. Mais je me dis quand même, parce que depuis que je suis intervenant à Rebuka, j'ai vu passer des jeux, j'ai vu passer pas mal de choses, et je trouve que avoir l'idée de faire viens faire un jeu un peu dans ce concept là avec un bac à sable, en mode bac à sable, en mode ouvert, et à la fois tu peux faire des objectifs, c'était un peu Il fallait quand même l'envoyer, l'idée, quoi. Enfin, pas l'idée, mais dans le sens, il fallait se dire, on va le faire, quoi. Parce que c'est énorme, en règle générale, ce genre de jeu. C'est bien, parce que tu as exactement le même retour que 99% de nos intervenants qu'on a vu toute l'année. J'en suis un, donc. À savoir que quand le concept est sorti, et pendant une longue période, on nous a beaucoup mis en garde sur ce qu'on voulait faire, c'était peut-être trop. Ouais. Qu'il y avait des systèmes qu'on devait revoir, peut-être faire moins gros, plus faire un jeu de plateforme. Okay. Et nous, on a quand même décidé de rester dans notre ligne directrice. À savoir un monde un peu ouvert avec une densité d'objets assez grande et des petits polaroïdes à faire. Et ça ne nous a pas forcément mis en arrière sur toute la production et pendant toute la période de l'année. Mais c'était quand même des retours qu'on avait fréquemment de peut-être faites attention à telle chose ou telle chose, réduisez votre système, réduisez vos intentions et des choses comme ça. Ok, mais en fait, je suis habitué parce qu'en tant qu'intervenant, on veut absolument que vous finissiez vos projets, que vous puissiez montrer des projets dont vous êtes fiers, que vous puissiez ensuite vous vendre avec. Donc évidemment, moi je ne suis pas, encore une fois, je le rappelle, je ne suis pas du tout intervenant dans le jeu vidéo, donc j'en ai aucune idée de savoir si c'est vraiment faisable. Mais c'est vrai que c'est la première chose qui me vient à l'esprit lorsque vous me dites que c'est un monde ouvert, que c'est un monde... qui est en mode bac à sable, etc. Et je me dis, waouh, tout de suite, ça pose un concept dont on sait que la réalisation est compliquée, quoi. Même sans être spécialiste de ça, je me dis, bon, les gars, il faut vraiment que vous soyez ultra carré sur ce que vous allez faire, parce que ça paraît comme ça assez balèze, quoi. Ouais, on a pris clairement des risques sur l'année, sur plein de points. Il y a beaucoup de choses qu'on a revues à la baisse, typiquement notre monde ouvert. On avait quand même un scope assez dément au tout début de l'année, on s'en souvient. Là, on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus compact et qui est beaucoup plus abordable pour une équipe de 11 personnes. Ouais. Et je pense qu'il y avait aussi beaucoup de peur sur... on a un système très complet où on a des éléments qui viennent avoir des interactions entre eux. Par exemple, le feu et l'huile, ça va mettre l'huile en feu. Okay. Et en fait, ces choses-là, on les a eues qu'à la fin du projet, en tout cas tard. Et du coup, il y a une ou deux milestones. Donc des milestones, c'est des points importants d'une production. Où on nous a dit, en fait, vous n'avez pas les éléments que vous proposez et c'est péjoratif pour vous. Et du coup, c'est pour ça aussi que je pense qu'ils avaient un peu peur, c'est qu'ils avaient peur qu'on ne délivre pas à la fin et qu'au final, ça reste un demi-projet et on n'a pas pu mettre tout ce qu'on voulait dedans. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est une des craintes des profs parce que tu veux que les étudiants soient toujours au taquet avec leur projet hyper bien et qu'ils puissent présenter le mieux possible, quoi. Du coup, je trouve que c'est bien d'avoir réussi à finir et à faire ce projet de cette qualité-là, parce que du coup, je l'ai vu, hein, vous me l'avez montré, j'ai pu voir le gameplay, etc. Donc on va regarder un peu ensemble aussi, vous allez présenter un peu aussi le gameplay, parce que c'est super intéressant de voir un peu comment ça se joue et voir toutes les possibilités. Avant ça, j'aimerais savoir techniquement, alors c'est quoi le moteur derrière et comment vous l'avez appris, enfin... C'est tout.
Du coup, on est sur, on était parti sur l'Unreal Engine 5 parce que fin de quatrième année, on s'est dit déjà que le concept est risqué, pourquoi pas prendre la toute nouvelle version du moteur qui n'est pas stable. Ok, bonne Et idée. au final, c'était une très très bonne idée. Non, après, c'était notre volonté aussi de s'adapter au. On a pris l'Unreal Engine 5 principalement pour essayer de s'adapter aussi à ce qui est le marché à l'heure actuelle. Hein. Aujourd'hui, c'est un moteur qui est en train de vampiriser un peu l'industrie. Donc, on Complètement, s'est ouais. dit que ne pas faire un gros projet comme ce projet de cinquième année dessus, ça serait à la limite d'une erreur. Et surtout si on était resté sur sa version 4. C'était quoi les Donc, ouais, choix? c'est. C'était quoi les choix en vérité? Parce que t'as une Les idée? Choix, il y en a beaucoup, mais les choix, enfin, il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns, mais les vrais choix qu'on se donne parce que c'est les plus réalisables, c'est les outils les plus utilisés et c'est les outils les plus fiables en fait aussi, c'est Unity, Ouais. Unreal Engine 4 ou à l'époque Unreal Engine 5. On a eu vraiment une grosse discussion il y a 4 années si on peut rester sur 4 ou 5. La Ah, surtout plupart que quand vous des l'avez fait, c'était en 2021. Ouais, ça a commencé 2021, Ouais, 2022, donc du coup, non, 2022. Unreal Engine 5 devait sortir depuis pas C'est longtemps. Il venait de 2022 qu'on a sortir. commencé le projet, ouais, il venait de Ouais, sortir Unreal Engine. mais Il venait de ça. sortir Ouais, dans c'est sa ça. version finale, quoi. Ouais, c'est ça Enfin, dans la c'était vraiment la release. 5.0.0. Ouais, donc du coup, la version qui fait peur, quoi, hein, parce que la 5.0, ça fait peur, hein. Je fais de l'Unreal pour le coup, là, je vois très bien de Ouais. quoi tu parles, hein. Mais du coup, nous, c'est entre la quatrième et la cinquième année, pendant les 4 mois de battement entre les trucs et puis entre les stages aussi, on s'est beaucoup posé la question. On s'est dit, est-ce qu'on part sur la 4, est-ce qu'on part sur la 5? Moi, j'ai pas mal touché à Unreal Engine 5 pendant ces grandes vacances-là pour voir. Et à la fin, en fait, finalement, c'est un peu apparu comme une évidence. On s'est dit, autant prendre le risque parce que ça permettrait de nous mettre plus en avant. Pour le coup, le pari était plutôt réussi. Ouais. À la fin de l'année, la question était plus, putain, pourquoi on aurait choisi la version 4? Ouais. Non, non, mais surtout que de la 4 à la 5, il y a un gap qui est monstrueux. Et donc, du coup, profiter de certaines technologies à ce moment-là, c'était peut-être ambitieux, mais intéressant, quoi. Ouais, je pense. C'est ça, ouais. Ambitieux parce que tu sais pas si tu vas pouvoir le mener jusqu'au bout. intéressant parce que bah, il t'amène des nouvelles fonctionnalités et surtout une qualité de rendu on le sait aujourd'hui, déboîte bien quoi, marche bien. Ouais, c'était ça. Et puis ouais, après, on l'a senti aussi que c'était pas non plus le truc le plus stable au monde. Hein. Ouais. On a eu des tentatives d'utiliser des nouveaux outils. Je pense au truc de World Partition pour le monde ouvert, Oui. que finalement on a abandonné en plein cours de route parce qu'on s'est dit que c'était pas possible pour nous d'utiliser ça. On n'a pas le temps de le faire fonctionner à notre Ouais, guise de comme on veut. débugger, de débunker les problèmes, etc. C'est ça. Ouais, okay. Donc, à ce niveau-là, enfin, dans la partie, je dirais que dont on est en train de parler, dans prog, vous êtes combien? Toi, t'es prog, mais il y a combien d'autres personnes? J'étais officiellement le seul Ok. prog. Après, comme j'expliquais au début du stream, vu qu'il y a des gens qui sont un peu intéressés à la programmation, puisque dans les 3 premières années de Rubika, il n'y a pas de prog attitré. Ouais. Donc il y en a forcément qui prennent un peu ce rôle. Donc on avait des gens un peu dans toute l'équipe qui savaient un peu Ouais, toucher à peu d'accord. près à la prog, qui ont pu m'aider sur des trucs, sinon ça aurait été pas possible. Je pense notamment au contrôleur Fuchsia qui a été entièrement fait par un game designer, par Ouais. Antoine Grujon, qu'on embrasse, et qui a fait un super super bon travail là-dessus. Donc oui, lui en particulier m'a beaucoup bien aidé, mais il y a Arthur et Luc aussi, Arthur Spelani et Luc aussi qui ont aidé à scripter un peu le jeu D'accord, donc finalement, ouais. pour qu'on dégage du temps, quoi. Ok, donc finalement, tu as un peu chapeauté, on va dire, la partie prog, mais tu as eu quelques secours pour faire des choses, quoi. C'est ça, ouais, c'était complètement obligatoire, quoi. On pouvait Tu pas, pouvais pas sinon, faire ça tout seul, autrement, quoi. C'était ça paraît c'était pas compliqué, possible. quoi. Ouais, ok. Ok, d'accord. Donc, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de montrer peut-être un peu de jeu. Ça vous va de faire ça maintenant? T'es ok, Je vais Arthur? lancer le jeu. Ouais, bah écoute, ce serait pas mal de se parler sur le jeu, faut voir un petit peu. Ça, tu vois, comme ça, on va se dire des trucs là-dessus. Alors attends, je lance ça pour voir. Alors pour l'instant, j'ai pas le jeu. Je pense qu'il devrait pas tarder. Ah oui, le voilà. Impeccable. Alors attends, je vais baisser la musique.
comme ça on aura juste le son du jeu. Voilà. Alors, est-ce que on a le son? Un petit miaou pour voir? Ah, on a le son. C'est le repère. C'est le repère. Du coup, première question qui me vient là, en regardant les images tout de suite, là, de départ, c'est on arrive sur un lieu qui ressemble effectivement à une île. Et c'est grand dans le jeu vidéo? Enfin, dans votre map, en fait. C'est un gros morceau ou c'est découpé, justement? Parce que si vous n'avez pas utilisé Warp Partition pour découper, vous avez dû faire comment? Alors, du coup, c'est pas découpé. D'accord. On a voulu garder ce côté, quand même, ce monde ouvert, qui a une bonne taille, hein, on va pas se mentir, mais ouais. Qui est pas non plus très très grand. On n'est pas sur un Assassin's Creed non plus, mais c'est donc on garde ce monde ouvert, il n'y a pas de chargement, on va pas rentrer dans une maison pour charger les niveaux et tout. Okay. Après, nous on a fait part de notre côté de petits artifices pour essayer de pas tout afficher en même temps, de au mieux tout ce qui est loin les faire afficher à des résolutions beaucoup plus réduites. Ouais. Et ainsi gagner de la performance. On a eu des grosses phases d'optimisation là-dessus, notamment en fin de production. Bah oui. Parce que c'était assez costaud. Parce que ouais, du coup, le fait qu'on ait voulu vraiment partir sur le Warp Partition et qu'on n'a pas réussi à mettre en place derrière, il a fallu trouver d'autres petites solutions pour pas casser en fait notre volonté de flow de jeu qui doit rester quand même fluide. C'est quoi le FPS là-dessus? Alors, tout dépend de la config du PC, bien sûr. Mais en tout cas, sur les PC de la serre, on avait notre objectif, c'était 60 FPS constant, et okay. C'est un objectif qu'on a réussi à avoir à la fin. Après, moi, j'ai un PC portable qui a une 2080, et le PC tourne à 30 FPS assez bien. Okay. Notre objectif, c'était que le jeu puisse tourner sur une GeForce 1080. Parce qu'on voulait aussi que si jamais demain on veut présenter le filet de jeu à un ami, à quelqu'un d'une entreprise, dans l'industrie ou quoi, qu'il n'ait pas besoin d'avoir le dernier PC, dernier cri pour jouer au jeu. Ouais, ok. Mais c'est super beau, hein, les couleurs et tout. Enfin, je trouve que vous avez vachement... Enfin, moi, tu vois, bon, j'avais déjà vu le jeu, là, mais là, on en parle et tout, en revoyant les concepts et tout. Je trouve que ça se voit que vous avez suivi vos concepts, en fait. Même si les concepts ont été refaits, même s'ils ont été revus et retrifouillés dans tous les sens. Mais il y a cette volonté avec ces couleurs, ce panorama de ça. On sent, enfin, je revois les concepts en fait. Je suis pas dépaysé quoi. Tu me montres pas un jeu qui a rien à voir avec ce que j'ai vu comme image quoi. Donc ça, je trouve ça vachement intéressant déjà. Parce que si t'aimes les concepts du coup... Ah ouais, alors ça c'est hyper intéressant. Donc il y a toute une partie évidemment qui est la partie intégration et la partie interaction, je veux dire, avec les objets et les différentes choses. Ça, c'est qui s'en occupe normalement? C'est de l'ordre du level design, du game design, c'est quoi? C'est un petit peu Simon qui nous a fait pas mal de bases de programmation. Et après, c'est les game designers, ouais, plutôt, qui vont s'occuper de ça. Nous, on a bossé en faisant en fait des comportements types un peu sur les objets. Ouais. On va avoir plusieurs objets dans le jeu qu'on va pouvoir porter avec la bouche, plusieurs objets qui vont être liquides, des objets qui sont métalliques, un petit peu des composants quoi, qui vont avoir des propriétés. Et avec ces propriétés-là, on va les greffer sur différents objets du jeu. Okay, donc, tu vois, typiquement, Simon nous a fait les bases des objets et après les comportements, c'était les game designers qui en partie. Ok, non, c'est logique. Et du coup, après, tu peux le balancer sur autre chose, etc. Tu peux t'en servir. Ok, je comprends. Et c'est assez malin d'avoir mis les comment ça marche sur le toit, là, par exemple, ou au départ, là, directement en map, sur le sol. Ça permet tout de suite de voir ce qu'il faut faire. Je l'ai déjà vu dans un autre jeu, ça. Mais c'est plus récent, donc du coup je trouve ça cool de le voir avant en fait. Enfin, vous, a priori, vous l'avez fait avant. Ouais, les graffitis pour tutoriel, c'est assez fréquent en vrai. Ouais, j'avais pas vu comme ça. Ouais. On avait le challenge de pas vouloir de texte dans le jeu. Ouais. Parce qu'un chat, ça ne parle pas. Exact. Donc on pouvait pas faire de boîte de dialogue ou de choses comme ça pour indiquer des informations aux joueurs.
passer par ces graffitis là. Et après, tu verras que dans le jeu, il n'y a quasiment aucun texte qui est affiché à l'écran. Ok. Je vois qu'il y a une sensation de motion blur. C'est donc... c'est quoi? C'est software? C'est, comment ça fonctionne? Enfin, comment ça fonctionne? C'est directement une option d'Unreal ou c'est programmé après? Parce que je sais que dans certains cas, le motion blur peut être bidouillé après coup, enfin, en post. Je crois que c'est direct d'Unreal. Je laisse Simon répondre. C'est le component de la caméra qui est rempli d'effets et de lui-même de post-process aussi qu'on peut tweaker dans tous les sens pour donner l'effet qu'on veut. Ok. Ouais, parce que ça donne bien, parce que du coup, on a cet effet... Enfin, là, bon, il faut se méfier, hein. On a une capture qui est certainement pas une capture correcte par rapport à un jeu. Hein. On a clairement pas, même pas du 30 FPS. Hein. Mais bon, on le voit bien, mais on sent bien que... ils sont mignons. C'est trop mignon, ça. Ok, d'accord. Et bim, le pola, quoi. Ok, ça marche. Ok, je comprends. C'est malin. C'est très malin. C'est très bien vu, le concept. Donc je disais... on voit bien que lorsque tu tournes, ça part en motion, mais je trouve que c'est bien géré, il n'est pas trop fort, et du coup ça permet de vraiment avoir le décor. J'aime bien aussi le fait quand il y a les polas qui arrivent et qu'on a le décor derrière qui se floute, c'est pas mal aussi. Là, tu as le petit Windows qui est apparu sur le jeu, là. Ouais, ok, ça marche. C'est bon, pas de soucis. C'est ok. Ouais, sinon mon PC il a explosé, vous en faites pas. Ah. C'est normal. C'est normal. Vous allez voir une fenêtre pop, c'est pour ma carte graphique. Ok, ça marche. Non, mais c'est très bien. En tout cas, franchement, vu comme ça, les animations du chat, notamment, elles sont incroyables. Vraiment, on félicite vraiment l'animateur en chef de ça, parce que, encore une fois, en tant que faisant partie plutôt de la partie animation, film d'animation, les animations d'animaux, moi, ça me fait toujours peur. Hein. Quand je vois ça, je me fais, oulala, ça va être compliqué. Et franchement, il est très gentil, enfin, il est vraiment mignon. Il s'assoit de manière hyper mignonne. On sent qu'il porte des interactions. Enfin, c'est super mignon, quoi. C'est vraiment. Ça donne vraiment envie de jouer avec lui, quoi. Rien que pour voir ses animations, quoi. Je trouve que c'est super agréable. Et c'est bien intégré. Hein. C'est plutôt cool. Là, je vois encore qu'il y a des couleurs qui sont quand même assez balèzes. Les couleurs intérieures, là, avec du bleu qui pète et tout. Et franchement. Ça marche vraiment bien, je trouve que c'est très efficace. Ah, ils sont rigolos les deux chats qui sont sur l'autre fenêtre là. Ils le regardent en mode. Il y a des petits clins d'œil très drôles. Mais ça a l'air assez grand quand même. Hein. Vous parlez d'un monde quand même finalement, ouais, une île, ça a l'air assez grand. Et on peut. Alors comment ça se passe? On peut. Alors sans aller dans toutes les baraques, j'imagine, mais on peut quand même se balader entre toutes les baraques. Il y a assez d'évolution. Alors, du coup, la ville, comment elle est rangée? Donc ce qu'on a fait pendant tout ce. Enfin, avant d'arriver maintenant, c'est tout le tutoriel. Ouais. Donc, c'est apprendre aux joueurs les différentes touches. Donc c'est un peu le port de l'île. C'est ça. Et en fait, une fois qu'on est arrivé sur la tour des chats, qui est ce gros bâtiment ici. C'est ça. On est libre d'aller où on veut dans la ville. Ok. Et du coup, il y a certains intérieurs qui sont traversables. Ok. Donc en l'occurrence, par exemple, celui vers lequel on se dirige, la maison là-bas en haut. Enfin, il y a plusieurs maisons sur lesquelles on peut aller à l'intérieur, mais on a mis une limite quand même de on préfère faire plus d'extérieur et voyager autour des maisons que faire des intérieurs. Ouais. Pour deux raisons. Un, niveau artistique, habiller des intérieurs, c'est plus long et plus dur que d'habiller les extérieurs, parce qu'il faut une quantité d'objets, il faut que ça soit assez différent mais assez similaire. Et deuxièmement, c'est que en level design, donc du coup, comment le joueur va interagir avec le monde sur tout ce qui est bâtiment et extérieur. Nous, c'était une quantité de production qu'on ne pouvait pas tenir, parce qu'en fait, si on faisait un intérieur, il fallait qu'il y ait une activité à faire à l'intérieur, exact. Et pas juste avoir un intérieur pour avoir un intérieur. Exact.
Et il y a aussi un autre truc sur lequel on a un peu triché, mais ça c'est dans tout le level design, c'est que les intérieurs, ils ont des tailles qui sont pas humainement possibles. Oui. Ils ont des tailles qui, pour un chat et pour un joueur, fait sens, mais qui, dans la vie réelle, ne respecteraient pas l'architecture basique. Ouais, d'accord. Ils sont pas maîtrés normalement, quoi. Voilà, c'est ça. Ils sont pas maîtrés normalement. Du coup, ça te donne l'impression, quand tu joues en chat, ça va. Mais en fait, si t'es à la taille d'un humain, ta maison a fait un salon. Oui. Ok. Vas-y, je comprends. Et d'accord. Ça, c'est pour ça qu'on n'a pas autant d'intérieur. Et surtout que, en fait, ce qui est intéressant quand on joue un chat, c'est de se balader à l'extérieur et en fait d'explorer la ville et tous ses alentours. Ok. Et je vois qu'il y a quand même pas mal de vie. Vous avez réussi à vachement donner de vie avec les humains qui finalement sont à droite à gauche. On les voit passer. Là tout à l'heure, il y en a un qui t'a pris pour te poser au-dessus. C'est bien vu ça. Mais en général, c'est assez difficile d'amener de la vie dans une ville. On sait bien. Les jeux les plus intéressants, c'est ceux où tu te balades, où tu as l'impression qu'il y a de la vie partout, etc. Dès que ça commence à être un peu mort, tu t'ennuies un peu en mode c'est un peu mort, quoi. Puis là, y a pas mal de personnages, quoi, qui sont là. Et ça n'a pas été une tannée, parce qu'on sait à quel point ça peut être compliqué. Vas-y, Simon, tu as libre recours à dire ce que tu veux. Ça a été, une tannée, c'est le mot. Ça a été... Mais c'est un truc un peu drôle parce que en fait, on pensait que quand on a commencé le concept, on pensait que ça allait être vraiment le contrôleur du chat qui allait poser problème, qui allait être vraiment très compliqué et qu'il allait falloir passer beaucoup de temps dessus. Finalement, ça a été vraiment plus les intelligences artificielles et les humains qui sont sur l'île qui ont été un problème du début jusqu'à la fin, quoi. Ouais. Notre but c'était quand même d'avoir la vie, hein, de faire sentir que c'est si ce n'est au moins une ville, une île vivante et un tant soit peu touristique. C'est aussi parce que notre animateur, au-delà d'être talentueux à animer des créatures, était talentueux à animer des humains aussi. Ouais. Donc ça donne tout ce côté vivant qui marche bien, mais ouais, ça a été beaucoup 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 de travail du début jusqu'à la fin. Et du coup, l'intelligence artificielle, c'est donc toujours Unreal, c'est quoi? C'est des, oui. des blueprints, c'est développé en C, c'est comment? Alors c'est du un peu comme toute l'architecture de code du projet, c'est une grosse base de code de C++. Ouais. Que je me gardais de gérer et de voilà et après une exposition pour que des designers derrière en blueprint puissent quand même ajouter différents comportements et tout. Du côté des humains, c'est un truc qu'on a eu beaucoup de changements. C'était peut-être une des parties les plus complexes d'un point de vue design. On avait beaucoup de comportements différents, on avait beaucoup d'humains différents qui devaient réagir pas de différentes manières, rien que même de pas se balader de la même manière sur l'île. Et c'est des trucs qui, au fur et à mesure, on a simplifié pour garder ce qu'on a là, quoi. Il y a quelque chose de beaucoup plus simple, mais qui rend quand même la chose très vivante et très agréable à jouer pour le joueur. Ouais, non, mais je suis vraiment très, très étonné. Enfin, étonné. Je savais que c'était bien, mais je ne savais pas qu'on pouvait, à ce point-là, avoir une interaction importante avec les humains, avec tous les objets, comme la balancelle... avec la peinture, là, comme tu as montré. Enfin, vous êtes allé assez loin pour chercher des petites choses qui amènent à un gameplay. Et c'est ce qui fait que ce jeu est un peu unique, quoi, dans son genre. C'est parce qu'en fait, vous avez été vraiment essayer de trouver plein de, finalement, de petits gameplays, entre guillemets. Tu vois, comme prendre le skate et rouler avec, c'est un petit gameplay, même si ça peut être compliqué, hein. Mais vous avez abouti à un truc qui fait que j'ai l'impression que vous avez tout mis ensemble et du coup ça en fait un truc de découverte en fait. T'es là en mode t'as un chat et tu découvres les humains, les skates, la balancelle, la peinture et c'est super, ça a l'air d'être vraiment très agréable à jouer, quoi. Alors du coup on a une super anecdote à propos du fait de proposer des expériences un peu différentes partout. Ouais. C'était qu'au début de la production, donc quand on avait commencé à faire le projet, notre rêve c'était un peu de faire tester des gens et que pendant les tests ils nous disent ah mais en fait j'aimerais trop faire ça et que nous après on l'intègre dans le jeu. Fait c'est ce qu'on a fait pendant toute la production, on a fait tester le jeu et les gens nous ont dit ah ça serait super cool d'avoir ça et on a ajouté ça. Par exemple dans le jeu on a une machine à laver
Et ouais. En fait, de base, c'était juste un asset graphique. Et les gens étaient là, mais en fait, j'aimerais bien mettre des trucs dans la machine à laver, la dérégler parce que c'est un objet électronique, et en fait, qu'elle envoie les trucs à 100 km, quoi. Bah, on a fait ça. Du coup, on a une machine à laver, si on met un aimant à côté et qu'on met des objets dedans, bah, va envoyer les éléments à genre 100 km. Okay. On a fait ça sur plein de petits objets différents, qui du coup offrent une expérience différente aux joueurs. Ouais, donc, du coup, il y a aussi beaucoup d'idées. Il y a aussi eu beaucoup d'idées un peu débiles à 23h quand on était à la serre à bosser très tard. C'était là où aussi venaient les meilleures idées. Oui, ça, on connaît bien les idées du soir un peu tard, en mode « Mais attendez, on commence à dire des bêtises et tu commences à avoir des idées qui partent avec, quoi. » Ça peut être assez marrant. Bah, surtout que vous avez quand même un matériau cool, parce que bon, c'est un chat, il peut faire plein de trucs, quoi. Donc, voilà. Tant que ça vous semblait finalement un peu marrant et intéressant à montrer, à la limite, c'est vrai que tu peux faire beaucoup de choses, quoi. C'est l'intérêt de ce genre de jeu. Ah ouais, délire. Ah, c'est rigolo. Ah ouais, donc... ouais, tu vois, ça, par exemple, ouais, c'est tout... Enfin, c'est une bonne idée, quoi. C'est vraiment une bonne idée. Ah oui, tu peux aller jusqu'à se cramer le... Putain, c'est pas mal. Yes. Ouais, c'est bien, vraiment, c'est bien. Il y a vraiment plein d'actions, plein d'interactions. Et du coup, alors, moi, je suis intéressé parce que le jeu, là, aujourd'hui, il est devenu quoi? La question. Alors, en gros, on a eu notre jury de fin d'études au mois de juin, fin juin. Ouais. 2023. On a présenté, du coup, une première version du jeu. Ça a plutôt bien plu, on a eu des super retours, le projet marchait bien, quoi. Et on a décidé de continuer un petit peu à travailler dessus pour vraiment polish un peu l'expérience de jeu, débugger ce qu'on pouvait débugger. Ouais. On a un petit peu continué à bosser dessus pendant l'été, et là on l'a sorti du coup sur Itch.io, qui est une plateforme de téléchargement de jeux indépendants sur internet, depuis le mois d'octobre. Donc il est dispo gratuitement sur Itch.io. Depuis octobre, et du coup on en a aussi profité pour l'inscrire à quelques concours. Okay. Sans trop savoir ce que ça va donner, on verra, ça sera plutôt l'année prochaine s'il y a des retombées là-dessus. Mais ouais, du coup, peut-être des concours dans la foulée, mais surtout on voulait que tout le monde puisse un petit peu jouer au jeu, donc disponible gratuitement, téléchargement. Ok, c'est combien d'heures de jeu c'est prévu pour faire combien d'heures de jeu, ce jeu? Difficile à dire parce que il n'y a pas vraiment de fin. En soi, si tu veux faire tous les objectifs, ça peut te prendre une heure, peut-être un peu plus, deux heures. Deux heures. Deux heures, ouais, peut-être. C'est un peu particulier parce que normalement, le projet de cinquième année en game, on est censé rendre un truc qui est une démo ou une vertical slice, donc une petite portion dans le ouais. jeu ouais. pour du coup une expérience de jeu de BTS qui se fait à peu près en une demi-heure, quelque chose comme ça. Et du coup, nous, avec notre forme un petit peu particulière et le fait qu'on ait un open world et un sandbox, on a beaucoup plus de contenu. Mais du coup, nos playtesteurs du jury ont tous fait du coup un petit peu ce qu'ils voulaient pendant la demi-heure de playtest. Ça les a un peu enrichis pour les débats. Et du coup, il y en avait certains qui avaient vu des trucs que d'autres n'avaient pas vu. Ça les a un peu piqué de curiosité. Du coup, ouais, si... Non, grosso modo, si tu veux faire un peu le tour du contenu, t'en as pour entre 30 minutes et 2 heures. Alors j'ai quoi, quelqu'un que vous devez connaître certainement, Gotius Gobertus, 34 minutes en speedrun pour ma part, il dit. Ouais, Gauthier, c'est un des level designers qui a bossé avec nous, qui connaît du coup très bien tout ce qu'il y a à faire dans le jeu et où se trouvent toutes les choses à faire. Lui, il le fait en 34 minutes. Donc, record à battre, hein. Voilà. Record à battre. J'ai vu que Thibaut était dans le chat aussi. Si Thibaut, tu veux te mettre au speedrun, c'est ça. Let's go, speedon, quoi. Donc, ok. En tout cas, voilà. Tous ceux qui sont là, qui ne sont pas forcément du projet, je vous conseille déjà d'aller jeter un œil. Hein, allez-y. Hein, on vous remettra les liens quand je reposterai la vidéo sur YouTube. Donc la vidéo de cette interview ensemble et notamment du jeu sera disponible du coup sur YouTube de la chaîne de Rubika. Voilà.
Ok. Donc du coup là aujourd'hui, vous venez de sortir le jeu entre guillemets en gratuit. Ça vous amène à faire des concours éventuellement. S'il est extrêmement téléchargé, qu'est-ce que ça peut vous amener d'autre, à part la notoriété? Alors, du coup, vu qu'on a déjà proposé des concours, on s'est déjà fait contacter par des publishers différents Ok. qui nous ont proposé du budget et un suivi pour finir le jeu, entre guillemets, et Ouais. le publier et le sortir. Nous, on en a parlé entre nous, et pour l'instant, ça ne nous semblait pas être le bon moment pour commencer l'aventure Pas un peu opportun. indé, que Ok. reprendre Moshi avec le groupe et de le faire. Parce qu'en fait, on vient de commencer nos carrières, basiquement. On est Ouais. tous en stage et pour beaucoup, on est débouché en CDD ou CDI. Donc, du coup, en fait, on préfère prendre de l'expérience de notre côté sur des projets qui sont différents et peut-être plus tard revenir sur Moshi avec les gens qui veulent. Ok, c'est une bonne, enfin c'est une décision et je la trouve plutôt bonne, mais Non, c'est ça. ok, je Et après, comprends. qu'est-ce que ça nous apporte si ça Ouais. marche bien? Bah, c'est beaucoup de visibilité. On peut se vendre, bah, c'est notre vitrine en fait de vente, hein, on Exactement, va pas se le cacher. ouais. C'est notre projet de dernière année, on a mis presque un an dessus. Ouais. C'est comme ça qu'on montre ce qu'on sait faire dans le monde du travail. Et du coup, si le jeu il obtient des prix et qu'il est beaucoup téléchargé, bah, nous ça nous permet d'avoir plus de poids dans bah, regardez ce que je sais faire. J'ai travaillé sur ce jeu, il y a eu beaucoup d'engouement pour le jeu. Prenez-moi. Ouais, tout à fait. Bah, j'invite bien sûr tous les gens à télécharger pour que vous ayez un maximum de téléchargement, sachant que en plus il a l'air d'être tellement fun. Vous pouvez vous l'assurer, je vais le télécharger. Moi j'ai eu le droit à pas mal de gameplay déjà entre nous, puisque vous m'avez montré plein de choses, mais là ça m'a encore plus donné envie d'essayer, donc je vais vraiment le faire. Ben, en tout cas, voilà, l'impression que j'en ai là en regardant comme ça, c'est que ben, il est hyper abouti. Je le trouve hyper abouti, je le trouve hyper satisfaisant visuellement. Ouais, ça me donne vraiment envie de, ouais, clairement, d'aller mettre mes doigts sur une manette et d'aller jouer, c'est évident. Je le trouve très mignon, le chat. Je trouve que l'effet des poils marche vraiment bien, même si c'est très très léger, hein, mais de temps en temps, quand tu es derrière, là, je te voyais. T'es derrière lui, tac, on voit légèrement ses poils et tout, enfin ses plaques, parce que je pense que ça doit être des plaques, j'imagine. Du coup, ouais, je trouve que c'est tout fonctionne bien. Moi, je suis très attiré par l'image, hein, évidemment. Donc, du coup, bah, il y a plein de belles images qui sortent de ce jeu quand tu t'arrêtes. Je trouve que voilà, il y a des belles images, il y a des beaux trucs. Les plans sont miaou, très jolis, ils sont vraiment chouettes, quoi. C'est quelque chose sur lequel on a pu jouer pendant tout le développement du projet, c'est qu'on avait un peu le combo gagnant de on fait un chat sur une île touristique qui fait des bêtises. Et en fait, on avait juste à présenter ça aux gens, ils voulaient y jouer en fait. C'était une de nos forces, on avait un concept assez simple à expliquer, très difficile à mettre en place, mais que les gens voulaient voir en fait. Ouais, bah ça se voit, ça se ressent en tout cas. Hein. Du coup, t'as Motivax qui vous félicite, en tout cas toute l'équipe, pour ce jeu rigolo et coloré. Est-ce qu'on parlerait un petit peu de vos carrières, entre guillemets? Je vais revenir sur la scène, notre scène d'interview, si ça vous va. À moins que tu voulais montrer un autre truc particulier, mais sinon on peut revenir sur cette scène, ça te va? Non, je pense qu'on est bon. On va laisser la surprise du reste. Ouais, je Ouais, pense sinon qu'il on faut va faire pas. tout le jeu et Ouais, puis voilà, c'est pas faut drôle. pas tout dévoiler. Du coup, hop, je nous repasse, ça y est. C'est repassé. Je vais remettre juste un poil de son, histoire que on se remette à un petit coup d'ambiance. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de parler un petit peu de vos débouchés. Donc là, vous êtes sortis de Rubika, tous et toutes. Et du coup, comment ça s'est passé déjà? Vous êtes parti en stage, vous êtes parti travailler, on vous a contacté, vous avez eu. Vous voyez le sujet un petit peu où je veux en venir, le sujet qui est, voilà, en gros, je fais un jeu, je fais ça. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je sais pas, Chloé par exemple, on n'a pas entendu depuis longtemps. Bah moi, mon stage, comment ça s'est passé? C'est que Rubika en cinquième année, en quatrième année aussi, on peut y participer, mais c'est beaucoup plus axé pour les cinquièmes années. Ils font des journées un peu portes ouvertes aux entreprises, où en fait, tu peux t'inscrire et faire des entretiens avec des entreprises qui viennent à l'école ou en visio.
Et du coup, bah, moi, j'ai fait quelques entretiens avec des entreprises, dont une qui m'intéressait assez par leur projet. C'était du coup DigixArt, là où je suis présentement. Et ouais, globalement, en fait, j'ai passé mon entretien, j'ai fait un art test et ils m'ont proposé du coup de faire un stage chez eux. Et voilà. Ok, ok. Et donc, du coup, tu as eu cet entretien, ils t'ont dit, bah, ok, ça nous intéresse. Pardon. Et là, tu es aujourd'hui encore et tu es en tant que quoi aujourd'hui? Je suis en tant qu'environnement artiste. Ok, donc tu travailles sur des projets chez eux. Exactement, ouais. Ok, super. T'es contente? Ça te plaît? Tout est... Ouais, c'est très cool. En fait, c'est une petite entreprise. On est à peu près 27. Donc, petit studio, mais le projet est cool et l'équipe, on s'entend tous très bien. Et alors, qu'est-ce que tu penses de ton expérience de boulot en tant que telle? C'est-à-dire que finalement, c'est un peu la première fois que tu te retrouves dans une équipe pour faire, entre guillemets, un vrai... même si ce que vous avez fait ressemble véritablement à un vrai truc, mais quelque chose dans la vraie vie du travail, entre guillemets. Ouais, bah en vrai, c'est là où je pense le projet de cinquième année, il aide beaucoup à ça. C'est qu'on s'est direct mis un peu dans une vibe où on se sentait un peu comme une entreprise. Bon, ouais. Avec du coup des étudiants, donc on ne savait pas non plus trop ce qu'on faisait. Ouais. Mais au moins, on était un peu dans ce mood-là de tous les jours, on travaille sur le même projet, on a des contraintes que des entreprises peuvent rencontrer. Du coup, en fait, moi, quand j'ai commencé mon stage en juillet, bah, c'était pas non plus si différent. Le seul truc qui était vraiment très différent, c'était la taille de l'équipe, évidemment. Oui. Mais niveau ambiance et surtout bah, les tâches qui étaient demandées, comme moi, c'est une plus petite entreprise, bah, je peux faire quand même beaucoup de choses en environnement. Et du coup, c'est là où du coup, la cinquième année était assez cool pour nous préparer à ça aussi. Ok. Et du coup, comme tu fais de l'environnement art, du coup, est-ce que tu pourrais résumer un peu à quoi, même si je pense qu'on a compris, mais même pour être sûr, tu vois, résumer un petit peu ce que c'est exactement dans l'univers du jeu vidéo? Bah, du coup, l'enviro, c'est... Pardon, en fait, j'avais plus le son. Du coup, l'environnement, c'est vraiment tout ce qui est... autour, tout ce qui est visuel, ça peut aller d'une maison, une montagne. Ok, donc en gros, tu dessines? Alors, il y a une phase de conception au début, ouais, pour avoir un peu le mood de à quoi va ressembler l'environnement. Moi, personnellement, je suis pas très forte en enviro 2D, okay. Mais je fais des petits croquis pour essayer d'avoir une base sur bah, à quoi je veux que ça ressemble et à quoi je veux, enfin, avec l'environnement, qu'est-ce que je veux faire ressentir aux gens. Ok, donc tu fais ta base en dessin, ok, juste une petite base, juste pour te donner l'axe dans lequel tu vas aller, et ensuite... Tu le reproduis comment? Et ensuite, on commence par une phase. Donc c'est là où, en fait, nous, les environnement artistes, on travaille beaucoup avec les level designers. On va, après, ça dépend toujours des entreprises, mais nous, comment on a fonctionné, c'était vraiment bah, le level designer faisait le block-out, donc ouais. Vraiment avec des cubes pour avoir un semblant de la ville. On va prendre l'exemple de la ville. Prenons l'exemple de la ville, ouais. Et après, ben, nous, on fait des formes très simples. Attends, hop, une seconde. Hop, vas-y, recommence juste la phrase, parce qu'on a eu un petit problème de son. C'est bon. Du coup, à partir du block-out des level designers, on commençait à faire des shapes un peu plus poussées toujours en block-out pour avoir vraiment l'environnement plus à ce à quoi on veut que ça ressemble. Après, on va faire une phase de modélisation beaucoup plus poussée, où là, du coup, on aura vraiment ce qu'on recherche au niveau des shapes,
tout ça. Ouais. Et après cette phase de modélisation, du coup, on a la phase de texturing où, qui est une phase très importante parce que avec un très bon texturing, en fait, tu peux vraiment... simuler pas mal de choses en modélisation que tu n'as pas fait forcément en détail, quoi. Exactement, ouais. Ok, et donc ça, coup, là, on retrouve un petit peu notre univers. Enfin, moi, je me retrouve un petit peu dans mes steps, quoi. Modélisation, ouais. Texture, ok. Là, c'est assez semblable, ouais, à l'animation. Et après ça, en fait, ben, y a toute la phase un peu de... pour rendre le jeu un peu plus joli. Ouais. Où du coup, il y a une phase de lighting. Moi, je me suis occupée du lighting sur Moshi et c'était assez complexe parce que comme c'est un monde ouvert, il faut que toutes les lumières passent bien partout. Et du coup, il y a aussi des moments où on a triché, on a rajouté des fausses lumières okay. pour un peu comme en animation aussi, ouais. Pour que le rendu soit un peu mieux. Donc du coup, est-ce que, alors excuse-moi, je te coupe deux secondes. Par exemple, pour la lumière, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Est-ce que vous avez utilisé un système comme dans Unreal 5, comme je sais que vous êtes dans Unreal 5, du coup, d'abord de global et ensuite de lumière ponctuelle, ou c'est que des lumières ponctuelles? Non, du coup, en fait, dans Unreal, il y a tout ce système qui est déjà mis en place oui. dans Unreal avec la directionnelle, oui. la skylight, tout ça. Du coup, vous avez utilisé leur système ? Comment ? Vous avez utilisé leur système, c'est ça ? Ouais, et en fait, on est venu vraiment tweaker avec du coup, notre sauce à nous, avoir vraiment un lighting qui pète pour vraiment avoir les intentions qu'on voulait avec des couleurs qui saturaient beaucoup. Ouais. Et après, en fait, on est venu rajouter petit à petit, par exemple, il y a une ruelle avec des parapluies où là, je suis venu mettre des faux godrets ouais. À travers les parapluies. Et j'ai aussi rajouté des décals. Ouais. Donc des dessins au sol pour faker un peu la lumière des parapluies. Parce que ouais. dans Unreal, en fait, c'est assez complexe de faire ce genre de rendu. Et ouais, en fait, pour les intérieurs aussi, on a rajouté beaucoup de light. Donc tu as travaillé comme ça par secteur, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Juste pour les gens qui nous écoutent, au cas où vous auriez des petits mots qui vous échappent, décale, ça va être juste, elle a projeté des images, en fait. Sur des parties des murs ou du sol. Voilà, juste pour être, que les gens ne soient pas totalement perdus. Mais après, ce sont des termes issus de ce métier-là et il n'y a pas vraiment d'autres termes pour remplacer, des fois. C'est souvent compliqué. Et les godrets, c'est juste les rayons lumineux qu'on peut voir quand on a le ciel et qu'on voit des grandes traînées blanches qui... Ok, et en règle générale, c'est vrai que comme en animation, on essaie de faire du faux, entre guillemets, parce que même si le moteur physique permet de le faire, ça coûte tellement cher qu'en termes de frame par seconde, comme il nous disait, on essaie de maintenir un 60 FPS stable, du coup, on évite les choses qui coûtent un peu trop. Voilà. J'espère que j'ai bien résumé. J'ai pas trop dit de bêtises. Oui, en vrai, oui. Voilà. En gros. Ok, donc ça, c'était globalement ta tâche à toi sur le jeu. Et c'est aussi ce que tu fais du coup dans la boîte où t'es là aujourd'hui ? Ouais, exactement. Ok. Bon, du coup, ça me semble plutôt bien pour toi parce que du coup, tu connais un peu le taf vu que tu l'as bien pratiqué sur Moshi. Et puis ensuite, tu l'améliores là maintenant aujourd'hui, quoi. Ouais, là j'apprends. En vrai, j'apprends beaucoup de techniques que j'ai pas pu vraiment expérimenter pendant sur Moshi. J'améliore aussi mes compétences sur des choses en fait que j'avais même pas idée que ça existait et que avec mes collègues en fait, on s'échange beaucoup nos connaissances et c'est super enrichissant. Ah, ça c'est le travail dans les entreprises. Hein. On dit souvent, enfin dans l'animation comme dans tous les autres milieux, hein, on dit souvent une année dans une boîte à travailler sur des projets, ça vaut une dizaine d'années en école. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est incomparable parce que tu vas à une vitesse parce que tu es obligé de faire certaines choses et on t'explique et on te dit non, on fait comme ça, mais c'est pas comme à l'école parce que là, on va te guider et on va te dire comment fonctionner et tout à coup, t'as comme une trame, parce que chez eux, ça se passe comme ça. Et ce que j'aime bien, et tu vas le revoir, et d'ailleurs, je suis sûr que vous allez tous le revoir, c'est que quand vous allez changer de structure, si ça arrive,
vous verrez qu'il y a des nouvelles trames qui arrivent que vous connaissiez pas. Eux, ils font comme ça. Tu vois, c'est genre tout nouveau, quoi. Moi, c'est ce que j'aime dans le métier et de manière générale, c'est que quand tu bouges un petit peu, bon, ce métier-là, il nous fait pas mal bouger. Et quand tu bouges un petit peu, bah, du coup, tu apprends tout le temps, en fait. Tu es tout le temps en train de découvrir des nouvelles choses et tout. Enfin, moi, c'est ce qui m'a passionné, c'est ce qui me passionne toujours. Et c'est pour ça que bah, j'aime écouter vos histoires parce que ça me rappelle aussi plein de choses. Et je vois que c'est toujours un peu le cas aussi, quoi. Voilà. Merci en tout cas, Chloé. Est-ce que vous avez, Arthur Spellani, par exemple, tu fais quoi toi aujourd'hui? Hop. Du coup, moi, je bosse pour Focus, ouais. Qui n'est pas un studio de développement, qui est une maison d'édition dans le jeu vidéo. Donc, je suis plus directement dans le développement. Je suis toujours game designer, mais dans l'édition, on appelle ça line designer. Ok. Et en gros, je viens tout au long du processus de développement d'un jeu, donc depuis le tout début, la phase de concept, jusqu'au moment où on le publie, voire même après la publication, si jamais le jeu est live et qu'il a une vie après la sortie. Je viens faire un peu du conseil, donner des retours sur la qualité de l'expérience de jeu. Ok. Donc, en gros, c'est un peu moi qui ai le rôle des intervenants entre gros guillemets qu'on avait à Rubika, où du coup je viens tester les jeux en cours de production et je viens faire des retours sur comment on pourrait améliorer l'expérience de jeu pour s'assurer qu'on a un jeu qui est fun à la sortie, quoi. Ouais, ok. En gros, c'est plus avec mes petites mains que, que je fais des jeux, mais plutôt en conseillant les studios avec lesquels on taffe, quoi. Ok. Et ça, c'est un truc qui tu kiffes le faire, c'est vraiment un aboutissement pour toi, ou tu comptes faire d'autres choses, ou... Ouais, enfin... ouais c'est hyper intéressant parce que du coup, je bosse sur des productions qui sont hyper variées, des toutes petites productions, ouais. Ou des productions avec des gros budgets. Et surtout Focus, c'est un gros, quoi. Focus, on le voit souvent sur nos jeux, c'est un très gros, quoi. C'est un éditeur qui pèse pas mal en France, ouais. Et surtout, ouais, je bosse en même temps sur plusieurs projets, donc avec des timelines un petit peu différentes. Je vais bosser d'une semaine à l'autre sur un projet en pro-production, puis sur un projet qui va être sorti dans quelques mois. Ça me permet de voir énormément de choses différentes en très peu de temps, quoi. Ouais, ok. Enfin, je comprends. Dès que tu es chez un éditeur, tu vois énormément de choix, énormément de choses. Donc, du coup, c'est aussi cette carte là que tu as en mode, bah, moi, l'expérience que j'ai, c'est le fait de voir énormément de choses. Et du coup, bah, je peux aussi avoir une expérience autour de chaque produit différent, chaque chose est différente. Donc, du coup, je comprends ce phénomène-là. Et j'aime bien aussi parce que, bah, tout simplement, tu as une vision qui est un peu plus extérieure et un petit peu plus sur... Tu vois aussi, tu peux comparer plus facilement aussi les productions, voir ce qui se fait d'un côté, peut-être là, ça pourrait améliorer celui-là, etc. Donc, c'est vachement intéressant. Ouais, c'est ça. Puis, on fait aussi un petit peu de support pour les studios qui n'ont pas forcément le temps de tout faire parce qu'ils sont à la tête dans le guidon en train de développer leur jeu et on sait que c'est bien la galère en général. Ouais, clairement. Et typiquement, ce que nous, on avait fait sur Mochi et que je fais en partie via le studio partenaire, c'est qu'on fait des benchmarks. Donc, en gros, on analyse la concurrence pour voir ce qui se fait à côté, comment ils font les choses, quoi. Nous, pour Mochi, on avait du coup benchmark d'autres jeux qui sont open world, un petit peu bac à sable comme ça, pour voir comment ils faisaient leurs objectifs de jeu, la diversité d'objets, des choses comme ça qu'il y avait dedans. Et ça, c'est une chose que les studios n'ont pas forcément le temps de faire, du coup, c'est côté éditeur, quoi. Okay. On rapporte ces connaissances-là. Ok, bah, super intéressant d'avoir aussi cette vue-là, ok. Et Arthur, du coup, Arthur Galland, toi, tu fais quoi? Moi, j'ai pas changé de parcours, je suis toujours dans le level design, donc je suis à Quantic Dream. Moi, je suis passé d'un projet à 11 à un projet à 200-300. Ouais, c'est ça. Donc j'ai fait 3x30, basiquement. Moi, je vais reprendre un peu les mots de Chloé, c'est que Rubika, ça nous a beaucoup habitués à travailler en équipe. Donc moi, j'ai pas eu de mal à m'adapter au fait de travailler avec des level artistes, d'autres designers et des programmeurs. Mais par contre, ce qui m'a beaucoup atteint sur Quantic, c'est la quantité d'informations. Et vu qu'on est un grand nombre, il y a besoin de beaucoup d'étapes de validation. On n'est plus dans une petite structure où tout le monde peut donner son avis et tout le monde a le même niveau d'avis sur des questions différentes. Par exemple, moi, mon avis compte plus en level design, alors qu'en game design, bah, j'ai peut-être moins à dire. Parce qu'en fait, il y a d'autres gens qui sont plus sur ça. Il y a une équipe entière qui est dédiée à ça. Du coup, c'est la grosse différence entre Mochi et Quantic, c'est
le taux de formation et à quel point je peux donner mon avis sur certaines questions. Ah oui, bah j'imagine que la comparaison doit être incroyable à Quantique. Et tu peux dévoiler pas, rien, mais juste des noms alors, du coup, titre ou, du coup, je ne peux rien dire, je ne peux rien dire sur mon projet Quantique. En vrai, je peux parler un peu plus de mon expérience. Ouais. Sur Moshi, j'ai travaillé d'une manière un peu spécifique en level design. Du coup, j'étais lead level designer, donc je me suis occupé de gérer donc Gauthier, le deuxième level designer, et en partie les level artistes. Surtout pour gérer la communication et trouver les solutions ensemble, pour éviter qu'on parte dans un sens en level design et qu'en level art, ça part complètement dans l'autre sens. Je pense avoir à peu près rempli ma mission. Ouais. Et j'ai travaillé d'une manière assez orientée gameplay, donc orientée expérience du joueur. Donc comment le joueur, il va comprendre comment on gère la difficulté, comment on gère les différents endroits que le joueur va rencontrer. Et à Quantique, je suis beaucoup plus sur quelque chose qui part du domaine artistique. Donc, s'inspirer des concept art, s'inspirer de choses qui sont beaucoup plus données par les artistes. Et ensuite, moi, je viens me baser sur ça pour faire du level design. Et en fait, après, je viens poser des règles de gameplay, voir comment, par exemple, ce concept art, je peux le réutiliser pour faire ce que je dois faire, pour utiliser ma tâche. Et du coup, c'est une méthode différente de travail, mais qui est... où j'ai réussi à un peu incorporer ma méthode de travail dedans. En fait, on m'a dit, bah voilà nous comment on fait à Quantique. Et moi, j'ai fait d'accord, mais moi, bah, je faisais comme ça, du coup, je vais rajouter des étapes que moi, je faisais déjà, qui, je pense, sont super importantes dans un projet comme ça. Et du coup, en fait, j'ai fait un espèce de mix des deux méthodes de travail pour arriver à quelque chose que bah, maintenant, je maîtrise sur le projet, quoi. Ok, bah c'est hyper intéressant. Ah oui, c'est hyper bien. Ça fait combien de temps que tu y es, là ? Ça fait 5 mois. Et normalement, je suis reconduit sur un CDI à partir de l'année prochaine. Ah, bravo, félicitations. Je pense que tu vas avoir du beau monde, ça va être bien, ça va être chouette. Tu vas avoir beaucoup de choses. Bah, je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Simon. Oui. Bon, t'as pas oublié. Et toi? Non, mais et toi, du coup? Moi, du coup, c'est un petit peu comme Chloé, mais pas dans le même truc, puisqu'on est dans la même entreprise, on a eu notre stage de la même manière. Ouais. Donc à DigixArt, bon, plus petite boîte pour ceux qui connaissent pas, c'est la boîte qui a fait Road 96 il y a 2 ans maintenant, qui est un super jeu, je vous ai dit. Oui. Ça c'est pour mes primes. mais ouais, moi du coup vu que j'ai eu beaucoup plus de prise en charge d'un point de vue technique, on n'a pas trop parlé parce que c'est pas forcément le plus intéressant, mais aussi d'un point de vue tenir en place un bon projet pour que tout le monde puisse travailler dans les bonnes conditions, tout ce qui est version de contrôle, etc. C'était aussi à ma charge. Donc là, je suis arrivé dans une entreprise où j'avais quand même beaucoup moins de responsabilités, ce qui parfois fait du bien quand même. Et j'ai pu plus me concentrer donc sur la partie gameplay. Où là, pour le coup, un peu comme sur Moshi, je touche à tout plein de choses et c'est ce que j'adore, donc je suis très heureux. Ouais, tu m'étonnes. Bah oui, là, tu dois faire exactement ce que tu dois faire. Tu dois faire une tâche importante et tu te concentres dessus, quoi. Là, t'es un peu plus. Là où sur Moshi, j'ai passé beaucoup de temps quand même à faire des intelligences artificielles. Là, j'avoue que après, c'est des projets qui débutent aussi. On est sur des projets qui débutent, donc on a pas mal de choses à faire. On peut faire. On itère sur plein d'idées, sur plein de trucs. Et l'avantage d'une boîte de plus petite taille comme DigixArt, c'est qu'on a le droit d'un peu proposer ses idées, essayer de faire marcher un peu notre créativité et tout. Alors ça, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que, d'ailleurs, je voudrais bien confronter un peu aussi avec Galant parce que selon les structures, les tailles des structures, on a plus ou moins de liberté, d'accord ? Donc évidemment, chez Quantique, lorsque tu travailles sur un projet où tu as 200 personnes qui passent, évidemment, tu n'as pas forcément le même mot à dire. Mais malgré tout, j'aimerais bien connaître un petit peu l'état de liberté justement que tu peux avoir dans une petite et dans une grosse boîte comme les vôtres. Donc, par exemple, donc Simon, du coup, tu disais que tu avais quand même pas mal de possibilités de créativité, d'accord ? De proposer des choses et en discuter avec l'équipe, j'imagine, et voilà, c'est ça ? C'est, ouais, c'est un peu la politique de l'entreprise, c'est le fait d'avoir eu la créativité, c'est quelque chose d'assez horizontal, c'est-à-dire que tout le monde a un peu...
du poids sur, sur les choses. Nous, on est capable de... Et c'est un truc qui est... Il y a des choses qui sont mises en place pour qu'on essaie de nous donner un peu de... Ok. Pour donner des idées, aller voir le directeur créatif et dire j'ai une super F et tout, tu vois ça. C'est quelque chose que, en fait, on peut se permettre sur une entreprise de moins de 30 personnes, puisque, en fait, c'est. Et là, là déjà, on commence à voir aussi un peu les limites de toujours écouter 30 personnes d'un coup et de voir les, toutes les idées, ça fait déjà un bon batch. Et donc ça c'est quelque chose qui est c'est ce qui est cool, mais on peut comprendre que derrière, bah, comme il dit Arthur Galland, c'est dans, avec 300 personnes c'est difficile d'écouter et d'avoir les avis de 300 personnes bah, justement, on va lui, et de on... dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas exactement, bien. Justement on va lui demander du coup quand je parle de liberté créative, ouais, c'est surtout du côté, on peut pas demander à 300 personnes de faire des meetings tous les jours pour savoir si les décisions elles sont validées par les 300 personnes. Ouais. Mais moi, ça m'empêche pas de discuter des sujets qui vont toucher mon métier. Du coup, je, en tant que level designer, je suis confronté à beaucoup de gens, que ce soit les designers en eux-mêmes, mais aussi des level artistes, des programmeurs, parce que parfois, il faut faire des choses spécifiques dans un niveau. Donc du coup, moi, il m'arrive de discuter bah, avec ces gens-là. Donc ça m'arrive bah, d'aller voir un designer et dire, bah, en fait... ce que tu proposes là, moi, ça ne m'arrange pas trop sur ce point, ce point, ce point. Mais en fait, quand je parle de liberté créative, c'est... moi, je ne peux pas produire un PPT de 50 pages pour expliquer pourquoi l'idée ne me plaît pas et ne va pas dans mon niveau. Et je ne peux pas aller la présenter au directif créateur en disant, bah, en fait, voilà, moi, je pense qu'il faudrait faire ça, 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 ça. Parce que de un, bah, ce n'est pas mon métier. Et de deux, bah, il n'a pas le temps et il va plus écouter les designers dans ce cas-là. Donc en fait, moi, je peux discuter avec les gens au cas par cas, mais je ne peux pas demander un meeting pour... vérifier que tout le monde accepte mon idée et faire changer les idées. Évidemment. Alors que par exemple sur Moshi, ça m'est arrivé plusieurs fois, juste dire au groupe, bah, maintenant il me faut une réunion de une heure pour vous expliquer toutes les choses que j'ai besoin de savoir, bah, je vais vous prendre tous pendant une heure et on va vérifier point par point ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et là bah, c'est un truc que je peux plus faire, et du coup ça fait que parfois dans la production, il y a des décisions qui moi me vont pas, parce que bah, c'est pas mon jeu en fait, donc c'est pas à moi de prendre toutes les décisions. Et c'est des décisions qui parfois m'impactent dans le bon ou dans le mauvais sens. Ça dépend vraiment, vraiment de ce qui est proposé. Et en fait, bah, je me retrouve à devoir intégrer ça dans mon niveau. Alors que des fois, bah, l'idée elle peut, pourrait être améliorée. Mais il faudrait que je discute avec les designers, que les designers discutent avec les leads, que les leads discutent avec le co-directif créateur qui valide. Et puis ensuite, ça redescende tout en bas jusqu'à moi pour me dire bah, c'est bon, c'est validé, tu peux reprendre le design ou changer les choses. Donc c'est soit très très long, soit c'est pas possible. Ouais, je comprends. Mais c'est exactement ce, que, ce à quoi je voulais en venir. C'était pour justement savoir un petit peu ça. Mais c'est vrai que, évidemment, dans les grandes équipes, tu dois avoir beaucoup plus de sous-compartimentation, de, je dirais, de qui décide quoi. Il faut laisser une certaine liberté aux gens qui travaillent parce qu'ils ont justement de la créativité à leur niveau. Mais là où tu dois, c'est ce que font les grosses boîtes en général, là où tu dois juste éviter la problématique, c'est lorsque... un niveau, entre guillemets, quelqu'un qui travaille dans un niveau, remonte, veut remonter tout en haut pour passer au-dessus des autres niveaux parce que bah, il peut, bah, c'est trop gros, en fait. Donc, il peut être créatif à son niveau, mais après, c'est compliqué d'amener une créativité plus large parce que tu as une super idée qui va révolutionner tous les niveaux. Voilà. Et c'est ça que je voulais... Bah, c'est un peu ça, j'ai résumé un peu, j'imagine. Ouais, et puis, il y a aussi une question de budget. Ouais. Pour des plus petites boîtes, même si le jeu vidéo ça coûte cher quoi qu'il arrive, hein, peu importe si on est indé et si on n'est pas indé, il y a quand même des sommes qui sont mises en jeu qui sont pas les mêmes, et il y a, un risque à prendre en compte quand on prend des idées. Et du coup en fait plus on avance dans la production et plus le studio est grand, plus c'est difficile de faire passer des idées un peu différentes et ou novatrices, parce que bah, c'est un risque qu'il faut prendre. Ça demande du temps de production. Le temps de production, bah, faut payer les 300 personnes pendant le temps de production supplémentaire. Ça coûte extrêmement cher. Et du coup, il y a toute une balance à trouver entre bah, les besoins du projet et le côté production, combien ça va nous coûter et est-ce qu'on est encore dans les temps, en fait. Ouais, ouais, c'est logique. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ok. Donc, selon la taille du projet, vraiment, on a cette... on a tout ça qui rentre en jeu, évidemment. J'ai encore une question. Alors là, ce serait plus une question... en gros, voilà, on parle à des gens qui, ou soit veulent rentrer dans une école, ou soit sont déjà dans l'école, ou soit sont à peine sortis, ou soit juste ils s'intéressent. Mais la question, elle est d'ordre financier, parce que, en gros, à quoi on peut s'attendre lorsqu'on sort
d'une école et qu'on va travailler dans une boîte de jeux. Est-ce que vous savez? Alors, je ne vous demande pas de me dire vos salaires. C'est pas, j'ai pas de souci avec ça. Vous pouvez juste pas me dire. Mais l'idée, ce serait de connaître un petit peu les échelles. Parce que moi, par exemple, en animation, j'ai une échelle. Par exemple, quelqu'un qui sort de Rubika, par exemple, et qui est employé dans une boîte qui va faire de l'animation, je sais à peu près combien il va toucher par jour ou par mois, selon les calculs. Est-ce qu'on peut s'attendre à quoi en travaillant dans une boîte comme Quantique ou X, enfin, pas forcément Quantique même, mais une boîte de cette taille-là, et à quoi on peut s'attendre quand on travaille dans une plus petite structure comme celle où vous êtes, Chloé et Simon? On va prendre le bâton avec Arthur sur la question des salaires et de la rémunération. Non, je pense que c'est important pour ces gens qui nous écoutent, tu vois, c'est intéressant. Ouais. Bien sûr. Du coup, moi, la première chose que je vais dire, c'est que c'est pas forcément la taille de la boîte qui va définir ton salaire. On a des gens qui sont sortis d'école, qui sont dans une boîte indépendante et qui gagnent plus que des gens dans des triple A. Avec des différences de, je pense, 6000 euros brut par an, quoi. Ouais, okay. À peu près. Donc en vrai, là, ça vient pas vraiment de la boîte, ça dépend. Bah, du coup, c'est boîte par boîte. En fait, il y a des boîtes qui vont vouloir plus payer leurs employés. Il y en a, ils savent que leur projet il est périn, donc du coup ils vont pouvoir donner plus d'argent pour les gens. Dans l'ensemble, c'est vraiment boîte par boîte. Je sais que moi, chez Quantique sur Paris, j'ai un salaire décent qui me permet de vivre sur Paris et de rembourser mon prêt, parce que pareil, bah, on est dans une école privée. Une école privée, ça coûte cher, et souvent, bah, les gens, pour payer l'école privée, ils ont besoin de faire un prêt. Moi, je suis endetté sur une dizaine d'années à partir de maintenant. Voilà. Voilà. Donc en fait, il faut aussi s'attendre qu'une partie de ton salaire, il va partir à rembourser ton prêt, une autre, il va servir à payer ton loyer, et sur Paris, ton loyer, c'est assez élevé. Parce que, évidemment. Et ton reste, ça va être basiquement pour te nourrir, parce que tu vas pas pouvoir forcément mettre de côté en fonction de ton salaire. Après, on est dans le monde du jeu vidéo, on est dans un métier, on a fait 5 ans d'études pour ça, et on est surtout là parce que bah, on aime faire du jeu vidéo, et il y a beaucoup de gens, c'est un terme un peu bâtard, mais on va l'utiliser, qui appellent ça un métier passion. Bon, en fait, bah, si on est de le jeu vidéo, on n'est pas là, on n'est pas là pour faire un maximum de sous, on est là aussi pour profiter des expériences. Ça ne vous empêche pas de demander d'être payé, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des domaines qui, par exemple en prog, qui sont rémunérés beaucoup plus cher et où en fait on fait basiquement la même chose. Ouais. Je pense à Simon qui fait du game programming, bah, s'il serait parti plus dans le développement de logiciels, je pense que son salaire, il aurait pris 10 ou 15K brut net par an. Quoi. Ouais, je comprends. Donc notre métier qui demande d'être créatif et où en fait on va aussi s'investir personnellement dedans, parce que la créativité oblige forcément un investissement personnel. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Si tu es dans un métier créatif où tu dois donner des idées, tu vas devoir t'investir un minimum dedans. Même si ce n'est pas ton projet, bah, tu vas mettre tes idées et tu vas insuffler un peu de ta personnalité dedans. Et du coup, parce que c'est ça, il y a un côté, je ne regarde pas trop en priorité le salaire, je regarde plutôt le projet que je vais faire, les gens avec qui je le fais et dans quelles circonstances en fait, je vais le faire. Bon, en tout cas, c'est ce que je me dis, c'est que quand ils m'ont proposé ce stage, moi, ce que je regarde en priorité, c'est l'équipe. Parce que ce qui est important et ce que j'ai appris à Moshi, c'est que l'équipe, c'est ce qui fait primer le projet. Si l'équipe se va bien, le projet arrivera forcément à quelque chose à la fin. L'inverse n'est pas forcément vrai. Le projet est très bien et que l'équipe n'est pas bien, c'est beaucoup plus compliqué. Évidemment. Ensuite, je regarde le projet. Si le projet il me plaît et que moi, je me dis bah, je peux faire des choses intéressantes en level design dessus, plus plus tard, bah, ça peut me servir parce que c'est quelque chose que dans lequel je me spécialisais. Bah, ça me fait aussi envie d'aller dans cette entreprise. Et après, je regarde le salaire. Est-ce que j'arrive à vivre dessus? Je suis en début de carrière, il y a quand même un côté de je viens de commencer ma carrière, j'ai un studio qui fait très joli sur le CV, Quantic Dream c'est quand même une grosse boîte en France, une des trois plus grosses boîtes en France, du coup c'est quelque chose de super bien pour moi parce que ça me permet de me mettre en avant, et du coup ça c'est les trois premiers critères que je regarde. Bah, ça me paraît tout ça a une grande logique, est-ce que tu pourrais quand même nous donner une fourchette de salaire? De salaire? Ouais. De salaire sur Paris, les plus bas que j'ai vus, ça commence à 28 000 bruts par an. Okay. Donc là, on commence à arriver dans la fourchette un peu compliquée, où avec 28 000, c'est très compliqué de trouver un appartement sur Paris, parce qu'à Paris, ça demande d'avoir le triple de ton appartement, et du coup, bah, direct, tu tombes sur des 500, et un appartement à 500 à Paris, bah, soit tu prends pas à Paris, soit tu prends à l'extérieur, ou soit tu prends quelque chose qui n'est pas vivable. Ouais, sur une coloc. Et le plus haut que j'ai vu, ça doit être 38 000 bruts par an.
Donc là, on doit arriver à 2400 net. Un petit peu plus, 2400-2500 net. À l'entrée dans le studio. Enfin, c'est... Ouais, ouais, à l'entrée dans le studio, ouais, oh, c'est d'accord. Ça. En tant que... Là, on parle que des juniors, juniors entrés junior dans le studio après un stage ou directement. Exactement. Ouais, il y a des chiffres qui sont dispo. Il y a un baromètre qui sort chaque année par le SNJE. Ouais. Qui vient un peu répertorier la moyenne, grosso modo, des salaires pour les différents métiers. Donc, on peut voir aussi qu'il y a des différences entre les designers, les artistes, les programmeurs. On a des salaires médians qui sont un peu différents. Et aussi, entre Paris et en province, il y a des petits écarts. Ouais, ok. Est-ce que Chloé et Simon, vous êtes. Vous pouvez aussi éventuellement nous donner quelque chose autour de ça pour savoir? Ils ont très très bien parlé quand même. Ouais, mais je veux dire, voilà, est-ce que ça correspond à ce que vous avez? Est-ce que... Non, ça correspond. C'est vrai que, comme il le disait, Spélani, il y a une différence notable entre Paris et les autres parties de la France. Ouais. Nous, on le voit, on est donc à Montpellier. Un loyer, c'est pas du tout la même chose. La vie, c'est pas du tout la même chose. Du coup, par conséquent, on peut essayer de se retrouver avec des grilles de salaire qui sont un peu plus basses. C'est le cas de toute façon d'un peu tout le monde, enfin d'un peu toutes les industries hein, en soi, ouais. Toutes les corps de métier. Pour ce qui est grilles de salaire, oui, on est à peu près je sais pas trop en fait en région exactement. Mais pour dire, moi j'ai eu une proposition là à 29 000 à peu près brut à l'année. Ouais, mais à Montpellier. À Montpellier. D'accord. Donc, à remettre quand même dans le contexte de c'est Montpellier, voilà, c'est pas Paris. Mettre dans le contexte dans Montpellier. Ce qui te fait un peu moins de 2 000 euros. C'est ça. Voilà. Okay. Non, mais c'est parce que, c'est important parce que. Les gens qui nous écoutent et puis les gens qui se posent les questions aussi, parce que tu dois, comme le disait très bien Galant, il disait voilà, en gros, tu y mets autre chose que juste ton envie de gagner de l'argent, quoi. Tu mets dans ce métier-là quelque chose que tu veux faire, quelque chose que tu aimes, c'est de la passion. Moi, je parle de mon métier qui finalement, on se croise tout le temps. C'est avant tout la passion, sinon j'aurais arrêté depuis très longtemps. J'ai commencé mon métier il y a presque 30 ans, donc évidemment c'est de la passion, et tu commences à un certain niveau, et au fur et à mesure que tu avances, tout avance, ton expérience, le prix où tu vas être payé, le prix où tu acceptes plus d'être payé, etc., etc. Il y a plein de choses qui avancent, et ce que je voulais avoir comme idée, c'était votre base de départ, parce que la base de départ, celle que vous me dites là, elle est bonne, enfin moi je la trouve plutôt ok, tu vois. Par rapport à plein de métiers. Mais bon, vous avez fait, comme disait Galant, vous avez fait aussi l'investissement de 5 ans d'études qui vous mène à, des fois, devoir payer sur 10 ans des choses, etc. Donc, moi, ça ne me paraît pas fou de se dire, je travaille là pendant 1 ou 2 ans à ce niveau-là et ça va augmenter rapidement. Je ne sais pas si vous avez une idée d'un salaire... au bout de, je sais pas moi, 10 ans, tu vois, tu travailles 10 ans dans le jeu vidéo, t'es devenu donc plus que junior, hein, t'es devenu intermédiaire, voire senior, et c'est quoi on peut s'attendre à quoi? Moi, je peux vous donner une idée de mon côté, mais ça répondra pas à ça, je préfère que vous me disiez vous directement, quoi. Il y a pas mal d'évolutions, en vrai, comme tu l'as dit, du coup, on commence en junior, en sortie de diplôme. Puis après, tu as plusieurs espèces d'échelons. Tu passes en intermédiaire, puis en senior au bout d'un moment. En général, c'est... C'est rapide. Ouais, c'est 2-3 ans, ça dépend des boîtes. 2-3 ans par niveau ou... par niveau, ouais. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans dans l'industrie, tu vas passer intermédiaire. Puis au bout de 3 ans d'intermédiaire, tu vas passer senior. C'est ça. Et puis, du coup, les salaires évoluent aussi en conséquence. J'ai pas envie de dire trop de bêtises, mais je pense que pour un senior, tu peux monter vers 60K, peut-être même plus, dépendamment de si tu es lead, du coup, si tu as des responsabilités en dessous de toi on ou peut pas. Dire... On peut dire que ça se multiplie autant que le niveau, quoi. En gros, x2 pour être intermédiaire et x3 pour senior. Oui, faire ça. Basiquement, ça. Basiquement. Ouais, c'est ça. Je grossais, mais c'est juste pour qu'on ait une idée, quoi. D'accord. Donc... Puis on est aussi dans une industrie où il y a beaucoup de turnover. Oui, énormément. Donc,
donc du coup c'est pour ça qu'on monte très vite en intermédiaire et junior, enfin en junior, intermédiaire et senior. Mais il y a aussi le problème des paliers de junior, intermédiaire, senior, c'est que ça dépend aussi des projets que tu arrives à publier ou pas. Parce qu'en fait, travailler sur un projet ne signifie pas que le projet sortira. Je vais prendre le super exemple de INA chez Creative Assembly. Il était en bêta, donc en accès anticipé, il y a peut-être 6 mois. Et il a été mis à l'arrêt 2 semaines après la fin de la bêta. Alors que le projet, il marchait, il fonctionnait. Les gens jouaient dessus, tout ça, quoi. Voilà, c'est ça. Les gens ont joué, les gens ont fait des retours. Il y avait des bons et des mauvais retours. Donc du coup, il y a aussi le côté, tu peux travailler. Moi, je sais qu'il y a des histoires de gens qui ont travaillé 5-6 ans dans le jeu vidéo et qui n'ont pas un seul projet à mettre dans leur portfolio parce que soit ils ont tous été mis à l'arrêt, soit ils n'ont pas eu le temps de finir le projet pour une quelconque raison. Et du coup, ça joue aussi sur ton niveau parce que tu peux dire, bah regardez, je suis intermédiaire, ça fait 5 ans que je travaille. Mais les gens, ils vont aussi te demander, bah dans ton portfolio, il n'y a pas les projets qui montrent que tu es intermédiaire, en fait. Ouais. Donc du coup, bah, ça peut jouer dans le côté... T'as travaillé sur quel jeu, quoi ? T'as travaillé sur quel jeu ? Ouais, voilà, c'est ça. Sur quoi t'as travaillé ? Puis surtout, bah, vu qu'on est dans un milieu qui est très soumis à la NDA, donc empêché de parler des projets autour de nous, bah, en fait, t'as pas le droit de parler des projets sur lesquels t'as travaillé, parce que quelqu'un d'autre pourrait reprendre l'idée et pourrait ensuite la refaire. Évidemment. Donc du coup, bah, tu peux même pas montrer ce que t'as fait. Tu peux juste dire, bah, si j'ai travaillé là-bas, voilà. Et du coup, bah, tu te retrouves à montrer un portfolio qui est un peu vide. Parce qu'on va pas se le cacher, le plus important dans le monde du jeu vidéo, c'est quand même ton portfolio si tu veux trouver un emploi. Et ils vont regarder surtout tes projets, plus que dans quelles entreprises tu l'as fait, etc. etc. Bah, très bonne transition, ouais. Très bonne transition pour à ma question. Sur ce que disait Arthur, ouais, vas-y, je t'en prie. Vas-y, on est quand même dans une industrie où il y a énormément de jeux qui sortent. Et il faut pas oublier qu'un jeu qui sort, c'est quand même un petit miracle en soi. Ouais. Il y a beaucoup de projets qui sont lancés, il y en a beaucoup qui meurent dans l'œuf ou qui sont arrêtés en cours de production. Ouais, sortir des jeux, c'est déjà un petit miracle. C'est vraiment un bonheur quand on y arrive. Ouais, clairement. Oui, donc je disais, ouais, très bonne transition parce que je voulais vous demander donc par rapport justement à ces projets, lorsque tu veux montrer un projet à des gens qui vont te recruter, lorsque tu es au début plutôt de ta carrière qu'à la fin, hein, tu passes par quoi ? C'est un truc tout bête, hein, mais c'est quoi ? C'est du ArtStation ? C'est quoi ? C'est des plateformes qui... Comment tu te fais connaître ? Plutôt ArtStation, c'est pour le jeu vidéo ? Pour les artistes, ouais, c'est surtout ArtStation. Ouais. Il y en a qui font leur propre site. Mais la plateforme la plus simple, c'est surtout ArtStation. Ouais, ok. Après, je pense pour les GD et les progs, c'est surtout, ils font leur propre site. Si je dis pas de bêtises, enfin, je vous laisse répondre. Ouais, niveau prog et designer, un peu, c'est pareil. On fait des portfolios un peu plus classiques. Donc, ça peut aller du blog, du Wix aux les plus courageux qui font leur propre site à la mano parce qu'ils aiment bien bidouiller. Mais ouais, là après c'est le portfolio qui met en avant quand même ces choses-là. Puis après, bah, on passe par des plateformes classiques, hein, Indeed, LinkedIn, et on a quand même pour le jeu vidéo spécialement LiveJV en France, ouais, qui est un site LiveJV, ouais. Ouais. Tous les emplois dans le jeu vidéo. Ouais. Et on a aussi, il y a d'autres trucs en fonction des pays. Et il y a un site qui s'appelle aussi Hitmarker qui va regrouper, c'est plutôt Amérique du Nord, mais il y a pas mal de postes en Europe aussi qui s'occupent de ça. Donc on a des plateformes spécialisées. Après, on va passer aussi par des plateformes un peu plus classiques pour essayer de trouver où est-ce qu'il y a du travail, quoi. Ouais. Et est-ce que vous avez beaucoup d'opportunités de voyager ? Donc, pour aller travailler, bien sûr. J'ai cru que t'allais arrêter ta question. Est-ce que vous avez beaucoup d'opportunités de voyager je crois que dans notre promo, on n'a personne qui est parti à l'étranger. Je compte pas la Belgique comme l'étranger. Non, désolé, okay, okay. Aux habitants de Belgique. Mais je crois qu'on n'a personne. Après, très vite, il y a des moyens de se retrouver dans des studios qui sont à l'étranger. Canada, je sais par qu'il y a exemple. Beaucoup d'anciens de Rubika. Ouais. Canada, Montréal, il y a d'autres gens qui sont partis... chez Rockstar aux États-Unis. Il y a des gens aussi qui partent en Espagne, si je ne dis pas de bêtises, ou en Allemagne aussi, à Francfort, il y a quelques studios. Donc oui, ça arrive de partir à l'étranger. Ça dépend aussi des projets qu'on vise. En France, on a la chance d'avoir quand même beaucoup de studios indépendants et quelques gros studios, Ubisoft, Quantic. Ouais. Après, je ne vais pas citer tous les studios indépendants, mais il y en a. On est quand même un bon hub au niveau des studios. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de studios en Amérique. Où c'est des studios qui sont plus connus, Remedy, Rockstar,
choses comme ça, quoi. Ouais. On a quand même des opportunités. Ouais, ok. Parce que c'est vrai que, enfin, moi je sais que les étudiants, notamment de Rebuka, mais plein d'autres écoles, hein, voyagent beaucoup. Parce que les Français, notamment en tout cas, sont assez connus et réputés pour être correctement formés. Et donc, du coup, ils sont plutôt souvent amenés à voyager régulièrement pour aller travailler dans différents studios, etc. Donc voilà, je voulais savoir si vous aviez effectivement eu cette expérience. Donc pas encore. Pas encore. Mais reste à venir pas mal de choses. On a fait un bon tour. Maintenant, si vous avez des questions de chat, n'hésitez pas. Avez-vous trouvé un poste direct après la fin de la cinquième année? Donc, ils ont répondu à cette question-là, oui. Je vous laisse répondre, entre guillemets, en résumé, en mode hyper rapide. Oui, basiquement, on a tous trouvé un poste à la fin de la cinquième année. Les quatre personnes ici présentes ont un travail après la fin de leur stage. Voilà. Pour la majeure partie des gens de notre promo, ça a été reconduit en CDD ou en CDI, dépendamment du projet, tout ça. Il y a peut-être, je dirais, pour l'instant, 5% de personnes qui n'ont pas été renouvelées actuellement. D'accord. En train de se faire les stats, ouais, il y a quasiment tout le monde qui a trouvé un stage après le jury de fin d'études. Et là, du coup, que les stages sont en train de se finir, on est en train de faire des stats un peu pour savoir quel est le taux de conversion, qui reste dans les mêmes entreprises que les stages, qui a trouvé quelque chose ailleurs. Ouais, ok, d'accord. Donc c'est quand même, a priori, quand vous sortez d'un projet comme ça et de, on va dire, de la promo, hein, vous avez a priori des bonnes stats, entre guillemets, vous êtes plutôt bien employable, quoi. D'accord, c'est ça que vous dites. Hein. Ouais, ok, ça marche. J'ai entendu le petit. Moi, j'ai vu un truc dans le chat, ouais, Motivax, qui dit que niveau rémunération, on est dans les fourchettes de postes type Bac plus 5 ingénieur industriel. D'un point de vue, moi, en prog et qui ai fait des études ouais, d'informatique avant, j'ai donc pas mal d'amis et tout qui sont après passés ingénieurs, etc. etc. C'est pas vraiment le cas, alors peut-être qu'on s'est mal compris ou quoi, mais... On est plutôt assez loin de certaines fourchettes. Moi, j'ai des amis qui avec des bacs plus 2, gagnent quasi 10 fois plus, 10 000 euros plus par an, en fonction de ce qu'on peut voir sur les annonces. Ouais. Donc, c'est pas. Ouais. C'est, comme on le disait un peu Arthur Galland tout à l'heure, niveau rémunération, on est quand même un peu en dessous par rapport à certains postes, notamment en programmation. Mais principalement junior, pour dire vrai. Ouais. La différence, je vais dire, c'est que la vitesse à laquelle vous augmentez, c'est comme dans l'animation, est assez forte comparée à des métiers autres. Oui, c'est ça. Parce que je vois dans le bon, dans le vidéo, je connais un petit peu moins, mais dans l'animation, c'est la même chose. Tu vois, ce que disait Galland, c'est totalement vrai. C'est-à-dire que tu commences là, au bout de 3 ans, rapidement, tu vas changer de step, et au bout de 3 ans, tu vas changer de step. Et quand tu arrives au troisième step, bon, déjà, tu vis bien, quoi. Mais. Par contre, ta fourchette est vachement réduite. C'est-à-dire que tu vas pas, au bout de 3 ans après, tu vas pas gagner encore 4 fois plus, quoi. Tu es vite arrivé au sommet et tu stagnes. Enfin, tu stagnes. Disons qu'il faut pas chercher. Enfin, moi, c'est ce que je dis à mes étudiants, notamment en animation. Si vous êtes là pour chercher des salaires de fou en mode, comme tu disais, ingénieur, fin de carrière, tout ça. Enfin, on fait pas ce métier-là pour ça, clairement. Même si on est totalement bien payé quand on travaille bien et qu'on a fait assez d'années pour dire qu'on travaille bien, on ne sera jamais payé des millions. D'accord ? Clairement, ce n'est pas pour ça qu'on fait ce métier. Dans le jeu vidéo, c'est les mêmes. Parce qu'on se croise, c'est les mêmes. Les mêmes passionnés, les mêmes fous à travailler avant tout parce qu'ils kiffent ce qu'ils font, quoi. Et ils sont rémunérés, ils en sont extrêmement contents et ils sont... bien rémunérés parce qu'ils travaillent et qu'ils vivent avec et c'est super, mais ils ne gagnent pas des millions comme nous. Donc la fourchette qu'il a donnée, je la trouve assez bonne et je trouve qu'elle correspond assez aussi à l'animation. Il ne faut pas s'attendre après 6 ans, par exemple, te dire ouais, c'est bien, donc à 10 ans d'expérience, je vais gagner encore 4 fois plus. Non, non, non. Non, non. Il y a une espèce de limitation quand même qui fait que tu es quand même limité à quelque chose qui... Et comme disait Spélanie, il y a une grille qui sera peut-être intéressante à donner, d'ailleurs, si vous voulez. Bon, je pense qu'elle doit se trouver sur JV ou un truc comme ça, non ? On va faire nos recherches. C'est le baromètre national du SNJV qui tombe chaque année. Je peux essayer de le trouver, vous le mettre dans le chat.
Bah écoute, en tout cas, c'est clair que si on le trouve, ça pourrait être intéressant parce que je veux pas que les gens se croient que tous les 3 ans on va doubler notre salaire. C'est absolument pas vrai. Mais par contre, c'est vrai qu'on va très vite augmenter notre salaire. Ça oui. Est-ce qu'il y a du crunch en début de carrière dans les studios de JV? Alors, avant que vous répondiez, je vais tout répondre de mon côté aussi parce que je trouve que la question est extrêmement intéressante et c'est une question actuelle. Le crunch, donc le fait de, grosso merdo, surtravailler et de faire des heures sup à plus savoir qu'en faire parce qu'il faut absolument finir un jeu, parce qu'il faut absolument finir un projet et que ça amène à des maladies, burn-out et autres qui sont absolument pas souhaitables. C'est un petit peu passé de mode. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, donc il y a assez longtemps maintenant, c'était que normal. C'était la vie de tous les jours, c'était ça. D'accord, c'était le fait d'aller travailler et de ne pas savoir à quelle heure on finissait. Je ne me rappelle pas, dans les 5 premières années, me dire, genre, bon, ben, j'avais ma copine, je disais, bon, ben, je vais finir, je pense, voilà, à 19h. Non, non, c'était impossible de savoir. Juste impossible. Je pouvais finir à 20h, comme je pouvais finir à 22h, comme à 3h du matin, sans jamais le savoir. Ça, aujourd'hui, c'est totalement fini. C'est fini, ça s'est complètement essoufflé parce qu'à un moment donné, bah, de fait, les gens tombaient malades ou juste. Voilà, c'est normal, quoi. Complètement, Mais c'était le début de la 3D. En tout cas, moi, quand j'ai commencé, c'était le début de la 3D. Donc, je comprends qu'il y a eu ces étapes-là. Aujourd'hui, donc là, je parle que pour l'animation. Vous me direz si ça correspond à ce que vous voyez, en tout cas. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont très carrées sur les horaires d'entrée, les horaires de sortie. Si vous travaillez plus et qu'on vous le demande, vous pouvez choisir de ne pas le faire. Et en plus de ça, vous êtes payé si vous le faites en plus. Voilà. Aujourd'hui, c'est carré, c'est marqué dans vos contrats, c'est propre. Et si vraiment on vous demande, parce que c'est la fin d'un projet, et qu'on vous dit, écoute, on a vraiment besoin de toi sur 3 derniers jours, parce que ben, on a vraiment besoin qu'on finisse ça, hein, d'accord, de finir ça, ben, à ce moment-là, vous acceptez, vous pouvez accepter, vous serez rémunéré de la bonne façon. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Moi, je vais rebondir dessus. Ah, c'était le but. Moi, je suis assez d'accord sur. J'ai jamais autant crunché sur mes projets que dans mon travail chez Quantique. En effet, pendant la scolarité, on avait beaucoup le côté on est étudiant, on veut prouver qu'on en a, et du coup, on n'a pas compté nos horaires. Hein. Je pense que mes 3 premières années, j'ai dû faire un volume horaire assez conséquent, et je pense à d'autres gens qui, même en 5e année, à rentrer tous les soirs à 23h et se lever à 7h du matin pour être dès l'ouverture au bureau. Et maintenant, dans les entreprises, c'est beaucoup plus cadré parce qu'en fait, il y a eu aussi toute on va dire, la visibilité sur tous les problèmes de crunch. On a quand même eu pendant nos études beaucoup d'affaires qui ont parlé de tel studio faisait faire X heures à tous ses employés pendant X mois. Et en fait, bah, maintenant, tout le monde sait que ça existe et les gens peuvent se prévenir contre ça. Quand on a appris que Rockstar y passait des Ouais. 80 heures semaine sur leur jeu, bah, tout de suite, ça nous a mis un petit froid, quoi. Et en fait, les entreprises, elles ont vite compris que, un, c'était pas bénéfique, cruncher, et de deux, que, bah, il fallait faire attention. Et par exemple, moi, chez Quantique, pendant mon stage, j'avais interdiction de rester après la fin de mon stage, quoi qu'il arrivait. Même s'il y avait une réunion importante, même s'il y avait quoi que ce soit, j'étais forcé de sortir parce que bah, il fallait respecter mes horaires. Et je sais qu'ils font attention à ça. Après, en parlant de crunch, il y a 2 types de crunch. Il y a le crunch qu'on fait parce qu'on doit le faire, qui est forcé, et le crunch qu'on fait parce que soit nous-mêmes on s'est mis dans la sauce. Typiquement, on a une tâche qu'on a procrastinée pendant 2 semaines et il faut qu'on la sorte à un moment. Et en fait, bah, ça tue toute la prod, surtout pendant les études, c'est arrivé. Bah, en fait, il y a un moment où on va se mettre un coup de pression et peut-être qu'on va, pendant une soirée, on va pas dormir, mais on va pas étaler ça sur 3 mois. Or que l'autre type de crunch, c'est en fait c'est beaucoup plus malicieux, c'est que ça s'installe petit à petit. On commence à finir à 18h30, on finit à 19h, on finit à 19h30, on finit à 20h, et en fait à la fin, tout le monde reste jusqu'à 22h, tout le monde commence à 8h, et personne ne se pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on fait encore là à cette heure-là, et en fait c'est devenu juste un automatisme. Et je pense que maintenant les entreprises font plus attention à combattre ce deuxième type de crunch, qui est un truc qui s'installe petit à petit. En mettant des horaires bien fixes sur les projets et en évitant que bah, on reste trop tard en fait. Parce que c'est aussi un effet de groupe, le crunch, c'est qu'une fois que quelqu'un commence,
les autres se sentent obligés de suivre, et à la fin, il n'y a plus de gens qui le font plus, en fait. Très bonne réponse, mais elle correspond, hein, mais c'est tout à fait ça. Hein. T'as très bien répondu, je pense que ça va éclairer les gens qui sont inquiets, ou ne serait-ce qu'ils s'informent là-dessus, en tout cas. On a une question, peut-être, est-ce qu'on peut répondre? Quelles sont les conditions de travail en sortie d'école? Forfait jour ou contrat horaire type 35-39 heures? Bah, du coup, ça, typiquement, pour le coup, ça dépend vraiment du contrat et des exigences des entreprises. Il n'y a pas vraiment de règles. On va dire que la base en France, dans tous les cas, ça reste quand même 35 heures semaine. Ouais. Mais il y en a qui vont un peu plus loin. Je crois que savoir que chez Quantique, c'est 40 heures semaine, par exemple. C'est bien 40 heures semaine. Ouais, c'est ça. et ouais, mais je vais utiliser cette question pour rebondir un peu sur ce qui a été dit juste avant. Vas-y. En France, on est très protégé, surtout quand on est stagiaire, sur tout ce qui est contrat, etc. C'est très tôt établi dans la convention de stage, le forfait horaire, c'est un nombre d'horaires fixe par semaine. Il est interdit de le faire dépasser, il est interdit que quelqu'un le dépasse. Donc, de ce côté-là, d'un point de vue crunch et tout, en tant que stagiaire, normalement, on est censé être très protégé par la loi française. Ouais. Après, il y en a qui le respectent ou pas. Et après, il faut avoir envie de se battre avec les entreprises quand c'est pas respecté. Ça, c'est un tout autre débat. Mais oui, c'est très contrôlé pour les stagiaires, du moins. Après, vu que la plupart des gens, quand ils sortent de stage, quand ils sortent de l'école, c'est plutôt pour aller sur un stage, c'est forfait, donc c'est horaire fixe à la semaine, c'est établi dans la convention de stage. Et après, bah, ça va dépendre. Il y en a qui sont, je sais que là, dans les renouvelés, il y en a qui sont à 40 heures, il y en a qui sont à 35 heures, il y en a qui sont en forfait jour. Ça varie, CDD, CDI, c'est vraiment en fonction de ce que l'entreprise propose, de ce qu'on arrive à négocier avec eux, etc. Bah, c'est une bonne réponse aussi parce que, tu vois, en animation, clairement, au tout début, y a pas mal d'années, on était plutôt en mode forfait jour puisqu'on était intermittent. On n'était même pas CDD ou CDI. On était intermittent du spectacle. Et moi, je l'ai été 17 ans. Et donc, du coup, je n'ai jamais eu de CDI de ma vie. Donc, en gros, c'est vraiment évidemment dépendant du type de contrat. Et donc, dans mon contrat d'intermittent, c'est comme un contrat de salarié, sauf qu'il est intermittent, c'est-à-dire qu'il peut s'arrêter à tout moment et reprendre à tout moment. C'est juste ça la différence. Hein. Et donc, du coup, dedans, j'avais quand même toutes les conventions normales d'un salarié. Donc, si c'est 35 heures, etc. Mais, comme on est intermittent, eh ben, du coup, ça ne les embêtait pas de dépasser, de te faire plein de choses. Donc, tout ça c'est quand même vachement cleané. Aujourd'hui, c'est super propre maintenant. Maintenant, il y a comme vous, maintenant, ça c'est. Enfin, je dirais, il y a beaucoup plus de CDD maintenant que des intermittents. Il reste beaucoup d'intermittents, mais il y a quand même beaucoup de CDD parce qu'ils ont trouvé des façons de faire, comme notamment le CDDU, qui est un nouveau. Non, il n'est pas nouveau, mais qui est très utilisé, qu'on peut renouveler en fait. Et donc, du coup, grâce à ça, c'est de plus en plus protégeant. Et bon, voilà, en gros. En tout cas, dans les métiers d'animation et les métiers maintenant de jeux vidéo, vous êtes de plus en plus protégés. Donc voilà. Vous savez ce que vous signez. Par exemple, quand Galant signe 40 heures, il sait que voilà, son contrat, c'est 40 heures. Mais ça n'empêche qu'il y a des fois, ce ne sera pas tant et des fois, ce sera plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que 40 heures, c'est un contrat. Après, il y a toujours des choses qui varient autour de ça, quoi. Donc voilà, c'est ça. On a des nouvelles questions? Ok, ça je peux y répondre. La première, est-ce qu'il y a des échanges entre différents campus Rubika Montréal et Inde? Très peu. Peut-être parce que les campus sont quand même pas si vieux, c'est-à-dire qu'ils sont quand même assez récents. Après, c'est vrai que j'ai pas le détail des échanges, je pourrais pas y répondre finalement à cette question. Non, je ne vais pas y répondre simplement parce que je ne connais pas le détail en fait. Donc, je sais qu'il y en a peu, je sais qu'il y en a eu, mais je ne sais pas si ça existe encore. Je vais te dire des bêtises. Pour avoir été étudiant, y en a très peu des échanges avec les autres campus. Ok. Les majeures parties d'échanges qu'on a, c'est avec Montréal. C'est basiquement un trimestre. Ouais. Et ouais. Ça dépend de la filière en plus. C'est que pour les artistes, ouais, voilà. Parce qu'il me semble qu'à Rubika Montréal, il n'y a que des formations de
tech art. Oui, il n'y a pas de formation de design. Donc, déjà, c'est très fermé. Et c'est basiquement le seul échange qu'il y a et c'est assez rare. Je sais qu'on a eu des échanges avec d'autres écoles qui n'étaient pas Rubika. J'ai oublié le nom de l'école. Il y avait des échanges en quatrième année possibles avec Sciences Po. C'était Sciences Po, voilà, c'est ça. Et okay. On fait aussi quelques projets en lien avec d'autres écoles. Notamment bon, ça change pas mal hein, selon les années, parce que des fois, t'as et pas ça les mêmes. Les années. Ouais, ça dépend quoi. En fonction de la pédagogie et des programmes qu'ils veulent mettre en place. Voilà. Par contre, il y a des Indiens qui viennent étudier à Rubika. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. S'il y a des échanges, c'est plutôt dans l'autre sens. Ouais. Ouais, c'est plutôt qu'ils viennent, en France. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai donné des cours à Pune, en Inde, par exemple. Ouais. Je suis allé une semaine faire une masterclass, par exemple. Donc oui, dans ce sens-là, je sais qu'eux, ils viennent aussi pas mal à Rubika. Donc il y en a, mais ce n'est pas la norme, on va dire. Ce n'est pas, voilà, pas le truc qui a le plus... Et ben voilà, en design game et 3D, ok. Je crois qu'on a fait un bon tour, je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter là. Merci à vous, parce que vous avez été vraiment super, vos réponses sont vraiment bien, et c'était très intéressant de savoir un peu plus sur comment vous en êtes arrivé là, et puis je vous souhaite énormément de bonnes choses. Vous êtes partis dans quelque chose de vachement, vachement bien chacun. Et vous avez l'air bien carré dans votre tête, donc je pense que ça va donner des super trucs. Même si des fois, il faut être un peu ouf. Oui, on s'est trouvé le juste milieu. Mais voilà, exactement. Je souhaite aussi pas mal de succès au jeu. J'espère que tous les gens du chat vont, s'ils ne l'ont pas encore fait, vont follow la chaîne déjà et ensuite aller télécharger le jeu pour que tout simplement vous puissiez continuer votre visibilité au maximum. Et puis je vous remercie tous et toutes du coup. Merci à Chloé, merci Simon, merci Arthur, merci Arthur. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et je vous souhaite à tous donc plein de choses. Je vous dis à bientôt. On se retrouve pour un live cette fois-ci. Ce sera en janvier. Ce sera certainement du design. D'ici là, eh ben, portez-vous bien. Bonne fête de fin d'année et à bientôt. Salut. 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 Ciao. Salut.